Tu as fait de moi la poupée la plus heureuse du monde. Je ressens la même chose. Oh, Jessie. Hein? C'est quoi ce bruit? Ken? Tu es en haut? Ken, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Barbie, non! C'en est assez! Je m'en vais! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça! Oh, j'ai le cœur brisé! Plus jamais je n'aimerai quelqu'un! Wow! Hein? C'était quoi ça? Oh, c'est une poupée! Oh, une poupée vraiment triste! Tu n'as nulle part où aller? Viens avec moi! Tu es si jolie! Meg, c'est une urgence! J'ai trouvé cette poupée dehors! Tu penses à ce que je pense? Nous allons te construire une nouvelle maison! Ce sera amusant! Tout d'abord, débarrassons-nous de ce maquillage! Le mascara qui coule n'est jamais joli! Reste immobile! Tu as déjà meilleure mine! Quoi? Tu as dit quelque chose? Ah, mais oh, je comprends pas! Vraiment? Les cotons-tiges? C'est ça que tu veux? Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin! Mais qu'est-ce que tu attends? Tu sais quoi? Ça pourrait vraiment marcher! Je vais en prendre un. Ensuite, je vais couper l'extrémité. Maintenant, je vais coller les bouts à ce cercle jaune. Je les dispose exactement comme ceci. Je vais retourner la pièce et ajouter du tissu. C'est une jolie fleur, mais je n'ai pas fini. Je vais verser de l'eau colorée sur les cotons-tiges. Ça les rendra roses. Waouh! Regarde ça! On dirait de la magie. Elles illuminent vraiment la pièce. Tu as fait un excellent travail. Hey, il se passe quoi là-bas? Tu vois ça? Attends, j'ai une idée. Je prends ça. C'est parfait. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je comprends. Tu auras besoin de ceci. Laisse-moi voir ça. J'aime ta façon de penser. Je m'en occupe. J'ai la fermeture éclair et la ficelle. Mais j'aurai aussi besoin de perles. Je vais les placer sur la ficelle. Ensuite, j'y ferai glisser une fermeture éclair, puis une autre perle. Je vais continuer à les alterner jusqu'à ce que j'ai quelque chose comme ça. Ça fera un parfait accessoire pour le mur. Ça me semble être un bon endroit. Ouais, j'adore ça. C'était tout un travail. Oui, je commence à avoir sommeil. Moi aussi. Pff, ne m'en parle pas. Ça a été une journée chargée en émotions. Attends une seconde, Barbie, viens ici. Hé, tu veux dormir? Oui, je veux dormir. D'accord, attends juste là. Je vais prendre ça. Ouh, ce carton sera utile. Je pense avoir tout ce qu'il me faut. Il est temps de se mettre au travail. Tout d'abord, je dois couper et plier le carton. Je veux fabriquer une boîte. Ça n'a pas l'air confortable, mais cette mousse résoudra ses problèmes. Je vais l'enrouler autour de la boîte. Je veux m'assurer que c'est la bonne taille. C'est bon. J'ai coupé une bande de tissu. J'y place la mousse. Je vais la placer au centre. Ensuite, je prends mon pistolet à colle. Je vais appliquer la colle sur le bord. Je dois juste faire un trait fin. Comme ceci. Une fois que ce sera fait, je plierai le tissu dessus. Je vais le presser sur la colle. Je m'assure que c'est bien soigné. Ensuite, je prends une aiguille et du fil. Je vais passer l'aiguille à travers le tissu et la mousse. Je vais coudre au milieu de la mousse. Ensuite, je vais enrouler le fil autour de la mousse. Je vais enfiler une perle sur le fil. J'utilise une perle de couleur nacrée. Je vais réinsérer l'aiguille dans la mousse. Je ferai ça tout le long de la mousse, jusqu'à ce que j'ai quelque chose comme ça. J'ai terminé cette partie. Je vais l'enrouler autour du carton. Ensuite, je vais les coller ensemble. Ce sera tellement confortable. Mais il reste encore des choses à faire. Je vais fabriquer une tête de lit. Je veux que ça s'harmonise avec le lit. Ensuite, je vais la fixer en place. On doit encore fabriquer un matelas. J'ai cette feuille de mousse. J'ai découpé un petit morceau de carton. Je vais l'envelopper avec la mousse. Je vais fixer ça avec du ruban adhésif. Je ferai de même aux extrémités. Je suis assez contente du résultat. Il peut aller sur le lit. Maintenant, je dois le décorer. Oh, cette feuille est adorable. J'aurai aussi besoin de coussins. Encore un et ça suffit. Barbie va adorer. J'ai hâte de le lui montrer. Et regarde ça. Tu feras bientôt de beaux rêves. Oh, j'ai aussi ce tapis mignon. Barbie, regarde. Il est temps de rattraper ton sommeil réparateur. Mets-toi à l'aise. Est-ce que ça fait du bien? Tu as l'air tellement bien installée. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Rafraîchissant. Hein? Pardon. Où est mon lit? Attends. J'ai trouvé... J'aurai besoin de ces pailles. Je vais les aligner comme ceci. Parfait. Ensuite, je devrais les assembler. Je vais utiliser un pistolet à colle pour ça. J'applique de fines lignes de colle sur les pailles. Je le ferai en deux parties. Ensuite, je vais plier le haut des pailles vers le haut. Maintenant, je dois faire un cadre. Je vais plier la paille pour avoir un angle. Je vais coller une autre paille dessus. J'aurai besoin d'un drap. C'est totalement ma couleur. Et un joli et doux oreiller. Je pense que j'ai terminé. J'y dormirai bien, moi. Et regarde ce que j'ai fait. Vas-y, essaye. C'est exactement ce que tu cherches. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'espère qu'il te plaît. Eh bien, il était temps. Je pensais que tu serais contente. Tu es toujours grincheuse quand tu es fatiguée. Merci, on se verra demain matin. Bonne nuit. J'ai besoin d'une collation. Ça m'a vraiment ouvert l'appétit.
J'adore les chips. Mais il faut absolument de la sauce, ma préférée. C'est délicieux. C'est tellement bon, je pourrais en manger tout le temps. Oh mais, c'est quoi ce bruit? C'est tellement croustillant. Hein? Oh, tu es réveillée? Ton rouge à lèvres, il déborde. Quoi? Et qu'est-ce que tu veux dire? Je devrais corriger ça. Ça n'ira pas. Je vais l'essuyer. Alors, j'ai tout eu? J'ai le rouge à lèvres. J'adore cette couleur. Ça t'ira vraiment bien. Ouh, sympa. Je n'ai pas de miroir. C'est un problème. Je m'en charge. Je sais exactement quoi faire. Je vais découper cette plaque de mousse en sections. Je vais commencer avec ces pièces. Je prendrai d'abord les pièces longues. Je vais appliquer de la colle sur le bord. Le pistolet à colle me facilite tellement la tâche. Je l'applique de haut en bas. Maintenant, je vais attacher la fine bande à l'extérieur. Ce grand morceau peut aller sur le côté. Je ferai de même de l'autre côté. C'est une jolie table de maquillage. Mais elle n'est pas extraordinaire. J'ai un rectangle de carton et cette feuille d'aluminium. Je vais envelopper le carton avec le papier alu. Ça fait un excellent miroir. Je vais le placer sur la table. La taille parfaite. Je vais utiliser du ruban en aluminium le long des bords. C'est fait. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Parfois, je me surprends moi-même. Tiens. Oh, attends, j'ai failli oublier. Il faut que je te fasse une chaise. J'ai un bouchon de soda. Ça fera l'affaire. J'ai de la pâte à modeler noire. Je vais la modeler autour du bouchon de soda. Ce sera le haut du siège. Ça a l'air plutôt doux. Maintenant, pour la suite, j'aurai besoin de quelques pailles. Elles sont trop grandes pour le moment. Je vais couper un petit bout. Ça semble être la bonne taille. Ce seront les pieds de la chaise. Je vais rouler un morceau de pâte à modeler, puis je vais le coller au bout de la paille. Je vais mettre ça à l'intérieur du bouchon de soda. Je ne suis pas sûre de vouloir en faire un tabouret. Il me reste de la pâte à modeler. Ce sera le dossier de la chaise. Voilà, tiens. C'est exactement ce que tu voulais. Tout est prêt. C'est super. Vas-y, mets ton rouge à lèvres. Merci, Meg. Waouh, il est super. Mouah. Hein? C'est déjà le matin? J'ai fait le plus beau des rêves. Je suppose que je ferais mieux de me lever. Je ne peux pas rester au lit toute la journée. Hé, Luna! Oui, il y a un problème? J'ai besoin d'un café. Voilà qui arrive. Ça va te réveiller. Il est tout frais. Dis-moi comment tu le trouves. Merci, ma bestie. J'ai besoin de ma tasse de café le matin. Oups, désolée. Ne t'en fais pas, je vais nettoyer ça. Il ne faut pas que ça se reproduise. Je sais quoi faire. Je prends ça. Yoink! Elle ne se doute de rien. J'ai de grands projets pour ça. Je vais devoir le peindre. C'est tellement vif et coloré. J'aurai besoin d'une brosse. Je vais recouvrir le couvercle de peinture. Je vais superposer les couches. Il faut que ce soit parfait. Je ne veux manquer aucun endroit. Ça a l'air bien. Je vais le laisser sécher. En attendant, j'ai encore d'autres choses à faire. J'ai ce petit pot en plastique. Je vais le peindre en rose. Je pense qu'il m'en faut un autre. C'est assez facile. Je vais les coller ensemble. Et ensuite, je vais mettre le couvercle dessus. C'est une jolie table. Plus de café renversé. Je vais mettre une couverture dessus au cas où. Tu peux inviter des gens à prendre le thé? Oh, c'est tellement chic! Tu es la meilleure! Mais je m'assois où? Ça pourrait poser problème. Bien que ce serait un bon exercice. Oh non, je n'y avais pas pensé. Laisse-moi réfléchir. Je n'ai qu'une pile et du carton. Je suppose que ça devra suffire. Je vais entourer la pile de carton. Ouf, c'est la bonne taille. Maintenant, je dois l'assembler. Heureusement, j'ai encore mon pistolet à colle. Une fois que c'est sec, je peux retirer la pile. Je me retrouve avec un anneau en carton. Je vais mettre de la colle sur le bord. Pas trop, je ne veux pas en mettre partout. Ensuite, j'aurai besoin d'un carré de carton. Je vais y coller l'anneau. Je vais appuyer dessus pour m'assurer que c'est bien en place. Ensuite, j'aurai besoin d'une paire de ciseaux. Je vais découper autour de l'anneau. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de feutre rose. C'est tellement doux. Je vais y mettre le carton. Et ensuite, je vais plier le feutre. Je vais pincer les extrémités et les insérer à l'intérieur. Je vais tenir le feutre comme ceci. Ensuite, je vais appliquer de la colle. Puis j'attends que ça prenne. Ça devrait le maintenir en place. Ce n'est toujours pas prêt. Il lui faut des pieds. Je vais la découper en trois morceaux. Je dois juste m'assurer qu'ils sont tous de la même taille. Personne ne veut d'un tabouret bancal. J'aurai besoin de mon pistolet à colle fiable. Je vais mettre une petite goutte de colle à l'extrémité. Ensuite, je vais coller le morceau sur le feutre. Je vais les positionner en angle comme ceci. C'est le dernier. Le tabouret est prêt. Ça va vraiment bien avec la table. Regarde ça. Ça peut aller ici. J'en ai fait plus. C'est beaucoup mieux. Ça sent trop bon. Youpi. Check. Je suis obligée. Tu es vraiment naze. Oh, ce n'est pas bon. J'ai bu trop de soda. Oh, je veux aussi faire pipi. Oh non. Attends là et retiens-toi. Allez, allez. J'y suis arrivée. Oh, quelque chose à lire. À la noix de coco?
Dépêche-toi, Luna! Bouge-toi! Oh, Barbie! Attends, j'ai une idée. Oui, ça va forcément marcher. Ne t'inquiète pas, je suis en route. J'aurai besoin du couvercle du flacon de shampoing. Au travail! Je vais le mettre à l'envers. J'aurai aussi besoin d'un distributeur de fil dentaire. Je vais l'attacher au dos du couvercle du shampoing. Ensuite, j'aurai besoin d'un siège de toilette. Ce rouleau à cheveux fera l'affaire. Il est prêt à l'emploi. Et juste à temps. Va soulager ta vessie. Ton trône t'attend. Allez, allez, allez! Ah! Quel soulagement! J'en avais vraiment besoin. Encore un peu et j'allais en mettre partout. Trop d'informations. Un peu d'intimité, s'il te plaît. Je suppose que je devrais fabriquer des toilettes pour ma poupée. Non, je ne pense pas. J'ai une meilleure idée. Je vais juste acheter en ligne. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu as l'air bien installée là en bas. Ah, chut, tu vas me déconcentrer. Hé, tu permets, je ne suis pas à l'aise sous pression. Oh, mais qu'est-ce que tu as mangé? Je pense que Barbie a fini. J'espère que tu n'as pas oublié de tirer la chasse. Alors, contente? On a fait du bon travail. Ça, c'est sûr. Top là! Oh, elles sont amies. Je suis tellement contente de t'avoir trouvé, Barbie. Voilà ta nouvelle maison. Il y a tout ce dont tu as besoin. Et le choix des couleurs. Waouh, c'est tellement toi. Non, ça c'est ce qu'on appelle un chez-soi. Il n'y a pas de rose ici. Ah, ça déchire. Tout ce travail a vraiment payé. Ces pièces ont clairement deux styles différents. Mais elles sont toutes les deux magnifiques. Oh, ces coins sont difficiles. Tu veux aller faire du shopping? Oh! Vous avez désespérément besoin d'un bain. Dégoûtant! Oh! Hey! Ce n'est pas mon problème. Peu importe. Oh, ma pauvre! Tu ne mérites pas d'être jetée comme ça! Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Regarde comme t'es adorable! Non, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde-toi maintenant! Tu es sale! Un peu d'aide, s'il vous plaît? C'est moi que tu cherches! Bonjour! Tu peux la nettoyer un peu? Elle est toute sale! Bien sûr! Mais ça va te coûter cher! Ce n'est pas un problème! Parfait! On dirait que c'est l'heure du bain! Tu es prête? Oh, c'est parfait! Juste la bonne taille! Détends-toi! Mais j'ai besoin d'eau! N'en dis pas plus! Voilà la pluie! Désolée, elle est un peu froide! Incroyable! Je ne reviens pas que t'arrives à faire de la pluie comme ça! Je n'ai pas fini! Tu vois ça? C'est rien que pour toi! Waouh! C'est incroyable! Attends un peu. Toutes les Barbies méritent quelques paillettes. Et voilà! Jolie, n'est-ce pas? Je suis vraiment douée! Oh, j'ai failli oublier. Voilà de quoi prendre soin de sa peau. Attends, c'est pour moi? Non, c'est pour elle, idiote. Tiens, ça fait du bien, non? Que la saleté disparaisse. Il est également très exfoliant. J'aimerais pouvoir prendre un bain comme celui-ci. C'est tellement luxueux. Tu n'en mérites pas moins. Regarde-toi maintenant. Ta peau est étincelante. Waouh, bravo! Vraiment remarquable. Oh, j'arrive pas à enlever ce truc. Waouh! Salut! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle aussi, elle peut prendre un bain? Oui, mais tu as de l'argent? De l'argent? Je crois que j'en ai un peu. Attendez! C'est tout ce que j'ai. $1? C'est une blague! Allez, s'il vous plaît! Bon, d'accord. Et qu'il pleuve! Hein? T'aurais pu me prévenir! Je suis trempée maintenant! Désolée ou pas! Merci beaucoup! Une seconde! Allez! Je sais! La réponse est juste sous mon nez! Quelques coups de ciseaux devraient faire l'affaire! Presque! Hé! Hey! Hein? Oh! Jusque-là, c'est pas mal!
Il ne me reste plus qu'à peaufiner certains détails. Et tada! Voilà une douche pour poupée. Comme ça, tu vas enfin pouvoir te laver. Je sais, c'est assez impressionnant. Il ne reste plus qu'à attendre. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est plutôt cool! T'as vu ça? Oh! Tu as terminé là-dedans? Ta peau est tout simplement resplendissante! Tu es tellement belle! Hé, Molly, regarde! Waouh, bien joué! Je trouve aussi! Ah. Allez, à plus! À bientôt! Et tes vêtements alors? Ça ne va pas du tout! Regarde cette jolie tenue! Elle est loin d'être parfaite! C'est inacceptable! Heureusement que nous avons ce fabuleux placard! Tu crois qu'on va trouver quelque chose là-dedans? Voyons voir! Tout ceci t'appartient! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ce n'est pas tout à fait ça! Que penses-tu de celle-ci? Et ça? Pourquoi pas celui-ci? Certainement pas! Oh, y a rien qui te va dans ce placard! Tu n'as rien à te mettre! C'est tellement déprimant! Décidément, tout va de travers! Wow, ça a l'air délicieux! Je ne sais pas quoi faire! Quelle belle couleur dorée! C'est ça! Tu vas être super tendance en un rien de temps! Je vais juste enrouler ça autour de toi! Ça fera une superbe robe de soirée! Il ne faut pas qu'on oublie des pierres précieuses! C'est joli, non? En plus, c'est très original! Regarde! Tu es magnifique! Oh, je dois avoir quelque chose par là! Comme ce sac! Non! Je vais faire quelque chose de mieux! Je l'espère! Regardez ce que quelques plis peuvent faire! Hé, Molly! Qu'est-ce que tu en dis? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh non! Ne la regarde pas! Oh, t'as vraiment besoin de vêtements! Ma chaussette! Attends une seconde! Ça sent mauvais? Oula! C'est pas génial! Mais bon, ça fera l'affaire! Heureusement, je n'ai besoin que de la partie haute de la chaussette! Et voilà, une robe magnifique! C'est mignon, non? Et c'est si doux! Hé, ça te plaît? Hein? Où est-ce que t'as trouvé ça? Je l'ai faite moi-même! On joue ensemble? Oh, ce sont deux copines branchées! Quelle belle journée! Le soleil brille, la mer scintille. Attendez un peu, quelqu'un a des ennuis! Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Tiens bon, ça ne prendra pas longtemps. Je te tiens. Il s'en est fallu de peu! J'ai cru que j'étais fichue! Tu viens avec moi. Je me suis entraînée. Je commence à avoir le vertige. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Cette poupée est en danger! Waouh! Personne ne va m'aider? Non, je te tiens! Quelle prise! Tu dois être prudente! Il est temps de faire peau neuve. C'est parti! Génial! Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Oh, une sirène! C'est trop génial! Oh, bonjour! Recule, poisson! Tu vas bien? Ça ne se reproduira plus. J'y veillerai. Je divise la pièce en deux. Je reste de mon côté. Tu restes de ton côté. T'es sérieux? Tu parles trop. Ah, enfin le silence. Ce n'est pas cool! Ne m'oblige pas à prendre l'ail. Ce n'était qu'une farce. Waouh, elle est méchante. Ne te moque pas de moi, vampire. Ignore-le. Oh, regarde-toi, on doit te nettoyer. Je commencerai par enlever le sable. J'espère que tu vas passer l'aspirateur. Waouh, on peut construire un château de sable avec ça.
Quelle est la suite? Oh, je sais! Heureusement que je ne me suis pas nettoyé les oreilles. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ne bouge pas. Je m'en servirai pour ramasser le sable restant. C'est tellement collant. Ça marche! Il ne reste plus que quelques grains. Je pense que j'ai tout eu. Regarde. Waouh, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. C'est plutôt bien. Mais j'ai cette brosse. Je l'ai volée dans la salle de bain de ma maman. Waouh, attends. N'y pense même pas. Bien vu, ça a intérêt à être propre. Je vais lui montrer. Ah, ceci fera l'affaire. Et attention au visage, tu as de gros problèmes maintenant. Attendez, je peux utiliser ça. Super, merci. Je vais le verser dans une cruche. Waouh, regardez cette couleur. Mais je peux l'améliorer. Je vais y ajouter des paillettes. Appelez-moi la fée paillette. Ça rend tout si magique. Ma dernière victime, je veux dire, un volontaire peut m'aider. Ça fera l'affaire. Waouh, regardez. C'est très joli. Ensuite, l'ingrédient spécial. C'est bon, c'est encore frais. Ma potion magique est prête. J'ai besoin de cette éponge, un petit coup de mousse à raser, et puis mon spa de jour est ouvert. Tu as beaucoup de chance. J'ai vraiment besoin d'une séance de soins. Ça permettra de se débarrasser de toutes les saletés et de la crasse. C'est comment? Ça chatouille, hein? Il est temps de rincer. J'espère que tu peux retenir ton souffle. Juste un peu plus longtemps. Je pense que ça devrait suffire. Et hop, sors! Laisse-moi te regarder. Tu rayonnes! Hein? Que se passe-t-il là-bas? Oublie-les! Tu es la plus importante ici. Quelle nulle! Il faut faire quelque chose avec tes cheveux. As-tu pensé à une autre couleur? Eh bien, c'est ton jour de chance. Je vais passer ce surligneur sur tes mèches dorées. Waouh! C'est si lumineux! Pas besoin d'un salon de coiffure sophistiqué ici. Qu'est-ce que... Mais... Je peux battre ça. Les cheveux foncés sont très à la mode en ce moment. J'en ajouterai quelques gouttes à l'eau. Parfait. Ensuite, il faut remuer rapidement. Cette jambe est si pratique. Ah, je m'amuse tellement. Plonge. Je m'assurerai de mettre tous tes cheveux là-dedans. Personne n'aime les mauvaises teintures. Tu imagines? Hé, on est assorti. C'était si facile. Qu'en penses-tu? Waouh, j'adore! Bassa, c'est censé m'impressionner. Mets-toi à l'aise. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu n'as pas de jambes. J'avais oublié. Regarde ce que j'ai. Tu peux les avoir. Vraiment? C'est très gentil. Maintenant, je me sens mal pour mon commentaire sur l'ail. C'est comment? Un peu bizarre. Il ne fonctionne pas. Qu'allons-nous faire? Je veux juste t'aider. Je sais! J'arrangerai des coquillages pour ton corps. J'irai jusqu'en bas. Je leur donne la forme d'une queue. Ensuite, j'aurai besoin d'une bouteille de colle. J'en arroserai les coquillages. Ça les collera en place. Je m'assurerai de tout recouvrir. Je verserai des paillettes sur la colle. J'attends ensuite que ça prenne. Ça ressemble à des écailles de poisson. Je suis si heureuse! J'espère qu'elle te plaira. J'ai très faim. Waouh! C'est merveilleux! Comment rivaliser avec ça? Attendez, j'ai une idée! Je vais l'écraser et la mouler en boule. C'est amusant. Mais j'ai besoin qu'elle soit plate. Je vais l'écraser avec ce chaudron. Tout compte fait, les sorcières sont utiles. Je vais mettre ce gobelet en plastique autour de ta taille. Ensuite, je l'enroulerai autour de toi. Elle fera une robe magnifique. Et meuf, je m'y connais en matière de mode. Je veux dire, regarde-moi! Tada! Quelqu'un est prêt à faire la fête. C'est normal d'être jaloux. Je l'admets. Elle est superbe. Elles devraient traîner ensemble. Oh, elles sont meilleures amies. Ce coup a l'air délicieux. Quelqu'un passe une sale journée capillaire. Et ce n'est pas moi. C'est bon, je vais y remédier. Je me suis entraînée. Tu es superbe. Mouah. Qui est ma prochaine victime? Que dirais-tu d'un gommage pour le visage? Ah, rien de tel que de prendre des couleurs au soleil. J'espère que tu as soif. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Waouh, merci. Ta peau n'a jamais été aussi belle. Oh oh oh. Ah ah. Tchoum. Burke, des crottes de nez. Ma poupée a l'air d'avoir faim.
Oh ouais, le goût est bon. Mesdames, ne vous battez pas. J'en ai fini avec ça. Au secours! S'il vous plaît, ce clown est fou! Vous devez faire quelque chose! Tu es en sécurité maintenant. Nous ne pouvons pas les laisser dans cet état. Tu penses à la même chose que moi? C'est parti! Tiens, prends ma main! Qui ferait une telle chose? J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Où vas-tu? Il fait toujours ça. Je suis de retour! Et j'ai apporté le matériel de nettoyage. Ça accélérera les choses. Tu vois, je suis un génie. Et il ramasse toutes les saletés. Ça risque de chatouiller. Quoi? Arrête! Éteins l'aspirateur. Je me suis un peu emportée. Tu vas bien? Tu es tellement sale. Mais ce n'est pas grave, je peux y remédier. Tu as besoin d'un bain. Ce sera tellement relaxant. Waouh! Regardez-moi ça. Tu es belle et propre. Quel soulagement! Personne ne veut ressembler à un clochard. Stop! Ne t'avise pas. J'ai une meilleure idée. Du dentifrice, bien sûr. Je vais essayer. Je vais le presser sur la serpillière. Ça devrait suffire. Ouh, menthe! C'est le moment de frotter. J'aimerais que quelqu'un me fasse ça. J'ai besoin d'une journée de spa. Tu peux t'asseoir ici. Des insectes dans les cheveux, ce n'est jamais beau à voir. Je vais les enlever. Ça t'arrive d'utiliser du shampoing? C'est bon, j'ai un plan. Il faut juste se débarrasser de tous ces cheveux. J'ai presque fini. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mes beaux cheveux! Ne bouge pas, prends ça. Espèce de monstre, ça fait du bien. Ensuite, j'ai besoin de ce fil. Je l'enfilerai dans les trous. Cette couleur te conviendra parfaitement. C'est super. Je veux essayer ça. Quick, quick. Ça suffit. Tu es radieuse. Si tu le dis, mon pote. Il fait de son mieux. Je pense que je peux utiliser ceci. Passe-moi la poupée, je vais arranger ça. Je vais enrouler le cure-pipe autour de ses cheveux, comme ceci. Ça les maintiendra en place. Ensuite, je lui donnerai un diadème. Regarde. Waouh, c'est une princesse. Nous avons besoin d'une nouvelle tenue par ici. Non, ce n'est pas ton style. Non, peut-être que le rouge t'ira. Arrête! Ouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je peux certainement l'utiliser. Je vais le plier. Je vais faire un triangle. Maintenant, j'ai besoin de mes ciseaux. Je fais une petite coupe ici. Et une autre ici. Ça me semble correct. Je veux enlever un petit triangle. Je ferai ensuite de même de l'autre côté. Puis je le mets sur ma poupée. Waouh, tu as l'air si chic. Quelle différence. Qu'en penses-tu? Waouh, j'adore. Waouh, je ne trouverai jamais la bonne tenue. C'est inutile. N'abandonne pas. Attends, je pourrais peut-être t'aider. Vol, chauve-souris, vol! Oh, le voilà qui arrive. Où étais-tu passé? Et qu'est-ce que tu as là? Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il est si brillant, merci. Tu feras une excellente sirène. Je ferai glisser la queue sur tes jambes. Ça rentre parfaitement. Tu es magnifique. Quelle métamorphose. Tu le mérites bien. C'est incroyable. Je savais que ça te plairait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est une vampire. Sympa, hein? Je t'avais prévenu. Jette un coup d'œil à ma poupée. C'est une sirène glamour. Elles sont toutes les deux superbes. Oh, attends, je vais les mettre ici. Nous devons encore terminer notre rendez-vous. Tu es si romantique. Ouais, je sais. Quelle journée! Parfois, nous avons tous besoin d'une séance de chouchoutage, même quand on est une poupée. Quelle a été votre partie préférée de la transformation? Faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres superbes vidéos comme celle-ci. Je suis plombée par le manque de verdure. T'entends ça? Hein? Oups! Hein? Quel est ce bruit affreux? Oh, chante avec moi! Non, arrête! Bon sang, c'est compris! T'entends ça? Donne-moi ce truc! Allez, on y va! C'est pas grave. Prends ma seule amie. Toi, tu vas m'écouter. Je suis plombée par le manque de verdure. Oh, cette poupée est tellement sale.
Tu as un meilleur foyer maintenant. Oh, j'ai sommeil. C'est l'heure du dodo. Fais de beaux rêves, poupée. J'ai dormi à poing fermé. La poupée, je l'ai laissée ici. Hein? Hé! Hey, cette poupée est immonde. Regarde-la. Oh, lâche-la, Liam. Je t'ai dit de ne pas toucher à mes affaires. C'est quoi ton problème? Je voulais juste la nettoyer. Elle est dégoûtante. Hein? Oh, c'est vrai qu'elle a besoin d'un bain. On se moquait de moi parce que j'étais sale. Ils étaient si méchants. Bon, très bien. Maintenant, sors. Oh, zut! Enfin! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais bien sûr! Ne bouge pas, je vais te nettoyer. Commençons par un peu de dentifrice. Mais pas pour tes dents. T'en fais pas, ça prendra tout son sens. Que le gommage commence! C'est le seul moyen d'enlever toute cette saleté. Mais c'est pas tout. C'est l'heure des paillettes magiques. Une journée de plus au spa des jouets. Prête? Visage crasseux disparaît. Maintenant, un peu d'hydratation. Envie d'un peu de rose dans tes cheveux? Je m'en charge. Tu seras la reine des couleurs. Fais-moi confiance. L'espace fabuleux, tout propre et très stylé. Ça te plaît? Attends un peu. Liam? Regarde ça! Je peux aussi porter un masque facial. Mais ça brûle un peu. T'es fou ou quoi? Fais comme tu veux, frangin. Tu es si mignonne. Tu es heureuse ici? C'est bien. Oh, te revoilà. Oh, ce truc est si lourd. Oh, c'est l'heure des ballons. Youpi! Hé, regarde mon nouveau ballon. Je veux qu'il devienne grand. Ça marche. J'y arrive. Non! Ballon incontrôlable! Je te tiens. Toi et tes jouets stupides. Liam? Oups! Pourquoi est-ce que j'ai un frère? T'as de la chance de ne pas en avoir. Et tu auras bientôt quelque chose de plus cool. Changement de tenue. Celle-ci va être très serrée. Tout d'abord, faites une coupe ici. Ensuite, pliez-le comme ceci. Effectuez une coupe en diagonale à cet endroit. Attention aux doigts. Ouvrez à nouveau le ballon. N'oubliez pas l'autre pièce. Coupez ici. Et encore une fois à la pointe. Là encore, attention aux doigts. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, on peut les placer sur notre poupée. Mec, c'est très serré. Et maintenant le haut, c'est mignon. Et la dernière pièce, pour une touche spéciale. Il suffit de la placer sur le cou et le tour est joué. Faut pas oublier cette adorable jupe. Et regardez ces bijoux. Et voilà. Comme tu es mignonne. J'aurais aimé en avoir à ma taille. Oh, ça va? Hé, que se passe-t-il? Waouh, super! Bonjour Mia. Tu es réelle. Salut ma bestie. C'est à nouveau ce moment de la journée. Voyons s'il y a des microbes dans les toilettes. Regardez-moi tout ça. La couleur n'est-elle pas géniale? Et c'est tellement gluant. Je me demande quel est son goût. Bonjour, je suis là pour jouer. Chris, non! Tu ne peux pas mettre ça dans ta bouche! Ce truc est une fosse septique! Je vais te montrer comment faire une matière gluante qui ne te rendra pas malade. Ne t'en fais pas, ça ne restera pas longtemps granuleux. Tu aimes le vert, pas vrai? Maintenant, une pincée de gélatine. Bon, beaucoup de gélatine. Maintenant, mélangeons bien le tout. Regarde ces graines flottées! C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Et gluant aussi. Waouh, regarde! Tu peux jouer avec. Waouh, ce truc est génial! Bien mieux que le gluant des toilettes. Et la texture est agréable sur mes mains. Et le goût? Miam! Hé, je suis content pour toi, Chris. Moi aussi. Est-ce que c'est ce que je pense?
J'arrive pas à y croire, une sucette. Et elle est toute à moi. J'espère que c'est à la fraise. Ou peut-être pastèque. Ou framboise. Oh, Chris, quelle couleur me va le mieux? Oh, Chris, ne mange pas ça! Ouf, piou, c'était moins une. Hors de question. Mais je peux l'arranger. Elle veut jouer? Alors je pourrais m'amuser, moi aussi. Oh, y a quelque chose là-dedans? Autre que des emballages? Oh, c'est plutôt ça! Oh, waouh! Hein? Éloigne cette main de moi! Aïe! À bientôt! Peu importe. Oh, voilà! Il y a quelque chose dans celle-là? J'ai quelque chose! Waouh, bingo! Exactement ce que j'espérais! Hein? Chris, non! Hey! Dégoûtant! Hey, regarde là-bas! J'ai une idée! Et ça commence par ça! Ensuite, je fais une bouche avec du papier. Puis, je la place sur la paille. Je l'appelle l'attrape-sucette. Plutôt sympa, non? Hé, hey, regarde! C'est un porte-sucette! Regarde, Chris! Essaye-le! Essaye celui-ci en premier! Oh, waouh! On dirait que nous avons tous les deux marqué des points. Peu importe! Wow, c'est trop cool! Et celle-ci? Wow! Asseyons-nous près de l'eau. J'ai apporté ma serviette préférée. Wow! Ce soleil est fantastique. Tu aimes ça, hein? Et maintenant? Oh, c'est terriblement brillant. Heureusement que j'ai apporté mes lunettes de soleil. Et elles sont super mignonnes. Wow, j'ai du mal à voir. J'ai besoin de lunettes de soleil, moi aussi. Ok. Oh non, j'arrive pas à y croire. Oh, tu en veux plus? Arrête ça! Je peux à peine ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je vois? C'est un bonbon? Qu'est-ce qu'il fait? Wow, tout ressemble à des taches. J'ai trouvé un ballon de foot. Jette un coup d'œil à mes mouvements. Quoi? C'est amusant, regarde! Regarde! Oh non, ne fais pas ça! Arrête! Je vais marquer le but de la victoire! Oh! Aïe! Mes yeux! Oh! Quel garçon stupide! Oh, c'était violent! Barbie, où es-tu? Par ici, Chris! Je crois que je te vois! C'était la pire chose qui soit! Barbie! Qui est ce type? Que fait Chris là-bas? Ce soleil pose vraiment problème. Je sais, je peux faire un petit truc pour aider. Je me servirai de ce contour comme d'un pochoir. Je vais tout remplir comme ça. Et j'ai choisi la couleur préférée de Chris, bien sûr. Il est important de rester dans les lignes. Même les traits donnent un bel aspect à l'ensemble. Maintenant, je vais définir les contours. Super, ça se présente bien. Je pose ce deuxième morceau sur le dessus. De cette façon, ils tiendront les verres en place. J'ai choisi le rose, ma couleur préférée. N'oublions pas l'autre côté. Ça rentre parfaitement. Maintenant, les branches. J'utilise le stylo pour les maintenir en place. Wow, je peux voir! Wow, prends ça, soleil! Ah oui? Elle est drôle! Merci pour ses lunettes! Ah! Tous ces jeux m'ouvrent l'appétit! Ah! Oh, allez! Oh, trop dur! Ces Legos sont énormes! Haha! Regarde ça! Chris? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Ouf! Je peux à peine voir le sol! On joue à fond aujourd'hui, hein? Regarde-moi tout ça! Il ne peut pas continuer comme ça! D'accord! Oh! Wow! Presque là! Respire profondément! Oh mon Dieu! Oh non! Wow!
Ouf, c'était moins une. Doucement, je maîtrise la situation. Oh non, Barbie à terre. Ouf. Chris, qu'as-tu à dire pour ta défense? Hein? T'as l'air drôle. Super. Eh bien, regardez-moi ça. En fait, ça me fait réfléchir. Je peux construire une solution à ce bazar. Ça va juste prendre un peu de temps. Et heureusement, j'en ai beaucoup. Voilà, bien ajusté. Maintenant, on passe au suivant. Une idée de ce à quoi ça va servir? C'est assez amusant avec toutes ces couleurs. L'objectif est de créer de belles et hautes parois. Voilà, maintenant nous avons différentes sections. Quelques-unes de plus. Les marqueurs et les stylos vont ici. Et les pinces vont ici. Il y a une place pour tout. Wow, t'as fait tout ça? Tu lui as même trouvé une place. Barbie, merci, c'est vraiment génial. Merci. Ah, j'adore l'air frais. Ça me donne envie de grignoter. Un peu de protéines, peut-être? Il suffit d'ouvrir la coquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Chris? Toi et tes farces. Doux comme la braise. Ah, heureusement que j'en ai une de rechange. Allez, craque maintenant. Tu te moques de moi, Chris? C'est ridicule. Elle est tombée dans le panneau. Cet œuf semble terriblement lourd. Attends un peu. Je m'en doutais. Encore de la pâte à modeler. Ce n'est pas bien, Chris. Oh! Tu devrais voir ta tête. Oh, on peut jouer à ce jeu à deux. Tu la veux? Pour moi? Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est parti! Hé, c'est un poulet! Qu'est-ce que je peux faire avec un poulet? D'accord, encore! Il y a quelque chose? Oh! Non! Je pense que cette Pokéball est cassée. Oh, c'est pas juste! Oh, le pauvre! Attends un peu. Bonjour? Oui, tout de suite, merci. Fantastique! Tu es prêt, Chris? Jouons! Il suffit d'insérer ta pâte à modeler à l'intérieur. Une fois qu'il est plein, pousse-le vers le bas. Ensuite, profite du spectacle haut en couleur. Regarde-moi toute cette pâte à modeler. C'est assez satisfaisant, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas fini. Tu peux aussi en mettre ici. Regarde, on peut même en mettre ici. Il suffit d'y déposer la pâte et de fermer le rabat. Prêt pour plus d'action? Des œufs! Waouh, ce truc est fantastique! Prenons un bain quand nous serons rentrés. Quelle journée! La vie de sirène est exactement comme je l'avais imaginé. Oh, hé, poupée! Je pense que t'as besoin d'un relooking. Nous pourrions être des jumelles sirènes. Ça tirait tellement bien! Cette queue est tout à fait à ton goût. Une seconde, attends ici. Nous devons nous débarrasser de ces mèches blondes. Il suffit de les couper pour qu'elles disparaissent. T'avais besoin d'un nouveau look. Sacré crâne chauve! Maintenant, je vais utiliser une aiguille et du fil. C'est plutôt ça, ta couleur. Waouh, c'est magnifique! Maintenant, je vais rattacher ton corps. Jusqu'à présent, tout va bien. Les mains en l'air! Détends-toi, je t'enveloppe dans du papier alu. Tu t'y sentiras bien à l'aise. J'utiliserai ces cure-dents pour fixer la queue du poisson. Maintenant, je vais le recouvrir de pâte à modeler. Je la façonnerai autour de tes jambes et de la queue. Ensuite, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Je recouvre l'argile avec la colle. Je l'appliquerai en faisant des vagues. Je veux que ça ressemble à des écailles de poisson. Je vais ajouter de petites touches ici. Avant qu'elles ne prennent, je voudrais ajouter une chose. Un peu de paillettes. Ce sera la touche finale. Ça fera toute la différence. Le vert contraste vraiment avec le bleu. Maintenant, il faut te trouver un haut. Nous devons cacher tout ça. Waouh, tu es la plus jolie des sirènes. J'ai une surprise pour toi. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Mets-toi à l'aise. J'espère qu'elle te plaira. Mon travail ici est terminé. Je suppose que je ferais mieux de me maquiller. Mais il doit être adapté à une sirène. J'ai une idée géniale. J'ai besoin de ce bas. Je le glisserai par-dessus ma tête.
On dirait que je vais braquer une banque. Ok, j'ai mon pinceau de maquillage. Je commencerai par ce bleu. Je l'applique en effectuant des mouvements circulaires. Je le ferai de chaque côté de mon visage. J'essayerai peut-être un violet clair. Ouh, celui-ci est sympa. Je n'ai besoin que d'une légère couche. Je le mélangerai en bleu. Je peux enlever le bas maintenant. J'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air. Waouh, on dirait des écailles de poisson. Mais ça peut être mieux. J'y ajouterai des paillettes. Nous avons tous besoin de briller dans la vie. Je collerai des perles sur ma peau. Je serai la sirène la plus élégante de tous les temps. Je ne peux pas oublier mon ombre à paupières. Je vais mélanger les couleurs. Je veux que tout soit assorti. J'en suis très heureuse. Un coup de mascara. Je suis contente d'avoir une main stable. Je ne veux pas gâcher tout mon travail. Ensuite, je ferai en sorte que mes cils soient beaux. Quelle transformation! Oh, j'ai failli oublier. J'ai besoin de rouge à lèvres. J'adore cette teinte. Elle fait ressortir mes lèvres. C'est incroyable! Je vais le laisser sécher. Je leur appliquerai ensuite une couche de brillant. C'est de mieux en mieux. Regardez-les, à croquer. Mouah. Mais je ne pose pas mon pinceau. J'ajouterai des paillettes sur ma poitrine, juste un peu. Parfois, moins il y en a, mieux c'est. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Waouh, j'ai fini mon maquillage. Mes cheveux ont besoin d'un peu de travail. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Il me faut ce feutre. Je le passe sur des mèches de cheveux, comme ça. Qui a besoin d'un salon de coiffure coûteux? J'espère seulement qu'il ne part pas à l'eau. Je prendrai mon temps. Je ne veux rater aucun endroit. Maintenant, l'autre côté. Waouh, c'est tellement dramatique. J'adore cette couleur. Je pense que je suis prête. Je suis enfin une sirène. Je me sens très bien. Hein? Il y a quelqu'un à la porte. Je ferais mieux d'aller voir. Attendez, j'arrive. Bonjour. Hey, vous avez commandé... Wow, bonjour, vous êtes magnifique. Vous le pensez vraiment? C'est trop mignon. Croyez-vous au destin? Bien sûr que oui. Il y a des choses qui sont inévitables. Comme ce moment. Mon haleine a été pire. Que diriez-vous d'un baiser? Est-ce que ça arrive pour de vrai? Il est si mignon. Embrasse-moi. Hein? Oh, c'est une blague! Wow, j'ai une queue! Ce n'était peut-être pas un rêve après tout. Je dois récupérer quelque chose dans mon casier. Tu m'as manqué. Tu es très élégante. Tu n'es pas ma poupée pour rien. Tu es ma meilleure amie. Tu as de magnifiques cheveux dorés. Wouhou! Non! Ma poupée! Qu'est-ce que tu as fait? Salut! Comment ça va? Donne-moi ça. C'est pas très gentil. Tu l'as cherché. Je vais ramasser ma poupée. Wouhou! On a gagné le championnat! Hein? D'où est-ce qu'ils arrivent comme ça? Ils n'ont quand même pas... Tout va bien? De quoi elle a l'air? Pas de panique, je vais arranger ça. Beurk, ça fouette là-dedans! Ah, je te tiens! Mince! Une peau de banane! Je t'ai enfin retrouvée! Beurk, tu es toute sale! Oh, c'est toi! Regarde ce que tu as fait à ma poupée! Il faut que je la nettoie! Ça ne va pas le faire! Il te faut un bon vin! Il est temps de te faire dorloter! Tu mérites ce qu'il y a de mieux! Je suis sûre que ça va te plaire! Bon, débarrassons-nous de ces vêtements sales! Tu ne peux pas porter ça! Et hop! Et si on ajoutait des bulles? Ça tombe bien, j'ai pile ce qu'il nous faut! Waouh, on dirait un jacuzzi! La température est agréable! Il est temps de sortir! Et voilà! Que dirais-tu d'un bon gommage? Je vais utiliser une brosse à dents et du dentifrice au charbon! Waouh, il y a beaucoup de taches! Ça doit sûrement chatouiller! Je suis trop jalouse! Avec ça, on va éliminer toute la crasse et les impuretés! C'est vachement mieux! Et maintenant, je vais te sécher! Il ne faudrait pas que tu attrapes froid! Te voilà propre comme un sous-neuf! Pas comme certaines! Je t'entends, je te signale! Nous, on n'a pas besoin de soda pour que tu sois propre! J'ai cette super mousse nettoyante! Je vais t'en appliquer un peu partout comme ça! Ensuite, je vais me servir de ma brosse nettoyante! Après ça, ta peau va être étincelante! Je vais faire un petit test! C'est tout doux! Alors, c'est agréable? Je sais, c'est fantastique! La brosse fait tout le travail! Et c'est super rapide! Maintenant, je vais te sécher! Et voilà le travail! Tu sens tellement bon! Je peux t'aider? Oh, bonne idée! C'est l'heure de faire un soin du visage! Mets-toi à l'aise!
Je mets du dentifrice dans un bol et j'y ajoute des paillettes. Ensuite, je mélange bien. Il faut que ça fasse une pâte. Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau. Ça devrait suffire. Je vais m'en faire un, moi aussi. Être esthéticienne, c'est pas de tout repos. Ah, enfin un moment de calme. Ça m'a l'air pas mal. Mais nous avons encore du pain sur la planche. Il faut qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux. Et si on te faisait une couleur? D'abord, il faut qu'on te protège. Je vais t'enrouler dans du scotch. T'as déjà entendu parler des enveloppements d'algues? C'est presque pareil. En revanche, ça risque d'être un petit peu plus collant. Ça me rappelle mon costume d'Halloween l'année dernière. Je vais te mettre ça sur le visage. Et si on s'autorisait une petite blague? Psst! Hé! Par ici! Sérieusement, Molly? Il va falloir faire mieux que ça! Oh, je pensais que ça marcherait. On l'aura la prochaine fois. Passons à la coloration. Ne bouge pas, le blond ne te va pas très bien. Ça, c'est plus ton style. Tu vas adorer. Fais-moi confiance, le brun, c'est mille fois mieux. Maintenant, on peut retirer le scotch. Les gens dépensent des sommes folles pour ça. Ah, c'est le paradis. Ma peau est apaisée. Mais fais attention! Tu veux bien éteindre ça? Arrête! Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, enlevez-moi tout ça! Attendez. Et si je me servais de ce papier coloré? J'ai besoin de deux bols d'eau chaude. Je vais commencer par le papier rose. Je le mets dans le bol. La couleur va se répandre dans l'eau. Quelle jolie rose! On peut enlever le masque pour le visage. Ensuite, je plonge tes cheveux dans l'eau. Retiens bien ta respiration. Ça fait une super teinture pour les cheveux. Après ça, on passe au bleu. Je vais seulement tremper la pointe de tes cheveux. C'est magnifique! Ça change! Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas pire. T'es de quel côté, toi? Regarde cette jolie robe! Ça fait ressortir ses cheveux! Tu vas être la plus jolie poupée du monde! Oh, regarde! Viens, petit papillon! N'aie pas peur! Incroyable! J'ai l'impression d'être une princesse Disney! À bientôt, petit papillon! Ça me donne une superbe idée! J'ai seulement besoin de mon devoir de maths! Enfin, plutôt de la pochette en plastique! Je vais enlever le devoir. De toute façon, j'aurai sûrement un A. L'heure est à la créativité! Ce papillon m'a inspirée! Je veux en capturer la beauté! Je dessine deux paires d'ailes sur le plastique, puis j'ajoute quelques détails. Je vais diviser les ailes en plusieurs sections. Waouh, c'est joli! Après, je les découpe. Puis, je vais prendre du vernis à ongles. J'ai choisi un gris argenté et brillant. Je recouvre les ailes de vernis, mais je ne peins que quelques sections. Une fois que c'est fait, je prends des sequins. Et je les dépose par-dessus le vernis. J'en ai pris des roses et des argentés. Je souffle pour retirer le surplus. Le résultat est vraiment super! Je peux maintenant coller les ailes sur la robe de ma poupée. Waouh! On dirait une fée magique! J'aimerais bien avoir une robe comme celle-là. C'est trop beau! Hein? Je ne pense pas être capable de faire quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas ce que je veux. C'est bien trop rose. Mais tu ne peux pas remettre ça. On dirait que je vais devoir ajouter styliste de mode à la liste de mes talents. Je vais découper un cercle dans ce tissu noir. Puis je vais coller un lacet sur les pourtours. C'était facile. Voyons ce que ça donne. Ça lui va comme un gant. Mais il lui faut une ceinture. Permettez-moi, mademoiselle. Alors, tu es tellement élégante. Tout le monde devrait avoir une petite robe noire. Je pense qu'il faudrait qu'on te coiffe. Assieds-toi. Des tresses, ça t'irait bien. Ça ne doit pas être trop difficile. J'ai pas mal d'expérience. Je vais les accrocher avec un élastique. Ça a quand même plus d'allure. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Burke, ses baskets ont connu des jours meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Laisse-moi réfléchir. Il doit bien y avoir quelque chose. Laisse-moi voir. Ah, ça fera l'affaire. Je vais juste attraper... Une seconde, qu'est-ce que tu fais? N'y pense même pas. Je suis sérieuse. On n'a pas le temps pour ça. Oh, je crois que je vais vomir. Psst! Hé, j'ai besoin de ce vernis. Celui qui est juste là. Oui, celui-ci. Allez, dépêche-toi. Merci. Il faut que tu revoies tes techniques de drague. C'était vraiment très embarrassant. Bref, où j'en étais?
Ah oui, la transformation des baskets. Ce vernis devrait leur redonner un petit coup de jeune. Il ne faut pas que j'oublie un coin. Une fois que c'est sec, tu vas pouvoir les enfiler. Waouh, tu devrais être sur un podium. Tu déchires, ma belle, tout comme moi. On est des sœurs jumelles. Il existe d'autres couleurs que le noir, tu sais. Bon, il faut qu'on te trouve des chaussures. Comment on va s'y prendre? Attends, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser des guimauves. C'est un peu inhabituel, mais je sais ce que je fais. Je vais les faire fondre avec un sèche-cheveux. C'est bon, c'est chaud. Comme ça, ça sera plus rapide. Ça sent tellement bon. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire. Un peu devrait suffire. Puis, on mélange tout ça. On en mangerait volontiers. Oh, c'est tout gluant. Maintenant, je verse ça sur la table. Je vais pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine, comme ça. Ensuite, je vais découper des formes à l'emporte-pièce. Elles sont flexibles. Je vais leur donner la forme d'une chaussure. Puis, je les décorerai. Je crois que c'est bon. Elles ont l'air hyper confortables. Waouh, je suis impressionnée. Tu es ravissante. Je suis tellement fière. Allez, on a bien travaillé. D'accord, mais ne le dis à personne. Alors, ça veut dire qu'on est amis? Non, certainement pas. Mais nos poupées, oui. On devrait se voir. Pour quel jour? Ouh! Un nouveau maître nageur? J'espère que je suis bien coiffée. Il faut que je me mette quelque chose de mignon. L'orange me va très bien. Je vais l'impressionner, cet humain là-haut. C'est parti! Faut que je m'échauffe un peu les jambes. Ne sont-elles pas magnifiques? Ça fait un peu bizarre. Allez, je vais finir par m'y habituer. Une journée normale dans la vie d'une sirène. Le poisson était énorme! Aussi gros que ses muscles. Salut les filles! On se fait bronzer? Salut bel homme! On dirait que je leur plais. Elles sont où? Hé! Mais où sont les jambes de cette fille? Pas de jambes? Il a besoin d'aide? J'arrive! Hé, toi, ça va? Salut! Tu t'es évanouie pendant une minute? Oh, cette queue de poisson! Waouh! Ta nageoire est superbe! Ne bouge pas! Oui, comme ça! Super! L'angle est parfait! Oups! Mon feutre violet! Quelle maladroite! Je l'ai presque! Je le sens! C'était pas facile du tout! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arriverai à rien dans la vie! Madison, tu es où? Je suis là. Tous mes feutres sont tombés. Bon, bah, j'attends. Mais au fait, cet aquarium. Prends un bocal à poisson, puis mets de la colle chaude sur le dessous d'un verre. Et colle-le au fond du bocal. Maintenant, ajoute quelques billes bleues. Tu peux aussi mettre des coquillages et des pierres. Puis verse de l'eau dans le bocal. Encore un peu. Regarde! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Tu captes? Mais c'est bien sûr pour les feutres! Maintenant, ils ne tomberont plus! Allez, à mon portrait de sirène! C'est parti! Ce film est vraiment super, tu ne trouves pas? Regarde ce cheval! Ouais, fascinant! Je vais juste fermer les yeux une petite seconde. Jen? Oh, comme c'est mignon! Dors bien, ma belle! Faut juste que je me lève. Voilà! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce canapé est vraiment étroit. Et il n'est pas très long non plus. J'ai pas de place pour ma nageoire. C'est pas confortable.
Je sais où je vais pouvoir faire la sieste. Juste ici à l'ombre. Voilà, parfait. C'est parti. Mais jamais sans mon oreiller. Il ne manque que moi. Bonne nuit. Pays des rêves, me voilà. Hein? Une fête de sirènes? Super! J'adore faire la fête! Lancez la musique! Je veux danser! Mais où est tout le monde? Y a quelqu'un? C'est bien la bonne adresse, non? Y a quelqu'un ici? Où est? Oh! Mais où est la fête? Je suis là! Toujours personne! Je dois pourtant plus être loin! Est-ce que quelqu'un sait où est la fête? Je n'abandonnerai pas. J'ai vraiment pas de chance. Hé, hey, salut copine! Viens faire la fête! Je suis prête! J'ai juste besoin de mon masque. Youpi! Je suis prête pour la fête, les gars! Je croyais que j'allais jamais vous trouver. Allez, on danse! Waouh, tes cheveux sont tout emmêlés! Oh, j'en reviens pas qu'elle joue encore avec des poupées! Oh, salut! Tu aimes les poupées? Tu trouves pas que ses cheveux sont beaux et soyeux? Désolée, je dois y aller. Oh, il peut pas comprendre de toute façon. Dolly est un peu salée, elle a besoin d'une coupe de cheveux. Ne bouge pas de là, tu ne vas rien sentir. Encore quelques coups de ciseaux, on va aussi s'occuper de cette robe en lambeaux. Waouh, t'es bien mieux comme ça. Tiens, assieds-toi juste à côté de moi. Je suis contente de voir à quel point le relooking de Dolly est réussi. Ah, qu'est-ce que... Tu es qui, toi? D'où est-ce que tu viens? Dolly, j'arrive pas à croire que tu sois vivante. Comment tu t'es transformée en humain? Arrête de me toucher comme ceci, Wendy. C'est mal poli. J'en reviens pas que tu sois en face de moi. C'est sûrement la chose la plus folle et la plus surprenante qui me soit jamais arrivée. Dolly, tu veux bien qu'on prenne une photo toutes les deux? Ouais! Regarde toutes les photos que j'ai de nous. Une seconde, j'ai vraiment cette tête-là en vrai? Dolly? Pauvre Wendy. C'est vrai que ces photos ne sont pas terribles. Ne fais pas attention à ces photos. Tiens, prends plutôt ce miroir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censée voir là-dedans? Attends, ne bouge pas. Je me demande où elle est partie. C'est pas grave, elle va revenir. Puisque j'ai ce miroir, autant m'occuper de ses boutons. Je vais juste appuyer un peu dessus. Dégueu. Je vais aussi faire celui qui est juste au-dessus. Oh, j'en ai aussi un là, en bas sur la joue. Wendy, me revoilà et j'ai apporté un sac. Mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Rien, j'éclate juste mes boutons. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vois. Écoute, j'ai mieux que tes doigts pour faire ça. Hein? C'est quoi? On dirait une sorte de gadget. Alors, on dirait qu'il faut que j'appuie sur ce bouton et que je le mette sur mon visage. Oh mon Dieu! Ça a carrément fait disparaître mon bouton! Est-ce que c'est réel ou est-ce que je suis en train de rêver? C'est incroyable! Ce truc est magique! Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est trop génial! Je vais continuer de m'en servir. Je vais voir si j'arrive à faire disparaître tous les boutons de mon visage. Tu t'en sors très bien, Wendy. Continue. Merci beaucoup, Dolly. J'ai encore quelque chose pour toi. Tu veux essayer? Bien sûr! À ce stade, je veux bien essayer tout ce que tu me proposes. Je vais appliquer ce masque au thé vert sur ma peau grasse. Mes joues et mon nez sont les zones les plus problématiques. Merci, Dolly. Tiens, je te rends ton tube. De rien. Je crois que tu peux l'enlever maintenant. Ça fait assez longtemps. Super. J'attrape juste une lingette et j'enlève tout ça. Waouh, regarde, je n'ai plus aucun point noir. Incroyable, ma peau a l'air tellement plus apaisée. C'est vrai. Maintenant, passons à la suite. C'est quoi? On dirait du scotch. Oh, c'est pour mes sourcils. Qu'est-ce que c'est censé faire? Ça ne risque pas de m'arracher les sourcils? Oui, alors, attends une seconde. Je vais simplement retirer le scotch de ton visage. Waouh, mes sourcils sont redessinés.
J'en reviens pas qu'un simple morceau de scotch ait pu faire ça. Merci beaucoup, Dolly. Tu es ma meilleure amie. Et si on prenait de nouvelles photos ensemble maintenant? Bon, il faut que j'aille à l'école. C'est trop naze. Voilà mon sac. Oh, salut, Dolly. Ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller à l'école habillée comme ça? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, mais j'ai une idée pour toi. Viens, assieds-toi sur le canapé. Maintenant, laisse-moi voir ce que tu as dans ton armoire. Mais... Oh, waouh! Regarde comme cette couleur est vive et joyeuse. Oh, ça? Vraiment? Oui, je pense que c'est parfait pour aller à l'école. Bon, très bien. Laisse-moi juste l'enfiler. Je passe mes bras dedans. Ok, c'est bon. Oui, ça te va super bien. Ne bouge pas. Oh, d'accord. Heureusement que j'ai un peu de chocolat sur moi. Oh, regarde ce joli bandeau en velours. Il est parfait pour toi. Il te va à ravir. Oh, je viens d'avoir une autre idée. Bon, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre à manger? Oui, ce jean sera parfait. Un jean? Sérieux? Bon, ok. Bon, tiens-moi mon pot de Nutella pendant que je me change. Oh, allez, c'est trop serré! J'arrive pas à l'enfiler! Non, je n'arriverai jamais à le fermer. Oh, Wendy, dans ce cas, la seule solution, c'est d'arrêter le sucre. Quoi? Mais j'adore les sucreries! Oh, ok. Bien, maintenant, laisse-moi voir si j'arrive à boutonner ce jean. Ouch! Ouille! Aïe! Et voilà, c'est boutonné! Je ne sais pas comment t'as réussi. Tu dois avoir des pouvoirs magiques. Tu es adorable. Tiens ton sac. Amuse-toi bien. Waouh, c'est du travail de la préparer. Regardez-moi tous ces emballages. Elle mange trop de cochonneries. Je vais devoir nettoyer tout ça et les mettre à la poubelle. Une seconde, d'où vient ce bruit? Est-ce que Wendy est dehors? Ouais. Oh, salut Dolly. Ne fais pas attention à moi. C'était une barre chocolatée. Elle doit bien être dans le coin. Trouver. Oh, Dolly. Oh, Wendy. Mais j'ai trop faim. Il faut que je mange un truc. Oh, bonjour, Wendy. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient du frigo. Je ferais bien de vérifier que tout va bien. Oh, salut, Dolly. Wendy, sors du réfrigérateur. Il fait froid. Viens par ici et donne-moi ce Nutella. Prends une banane plutôt que de manger du chocolat. C'est plus sain. Quoi? Une banane? Oh non, c'est trop nul! C'est très bon pour toi. Il faut que je finisse la vaisselle. Oh, quel enfer! Et attendez une seconde, je crois que je viens d'avoir une super idée. Est-ce que Dolly regarde? Non, elle est encore devant l'évier. Je vais utiliser mon super appareil à banane. Il est temps de s'y mettre. Pan, pan! Je dois maintenant faire passer cette tige comme ça, puis je tourne. Maintenant, je la retire et ça fait sortir l'intérieur de la banane. Burk, c'est la partie la plus répugnante. Maintenant, je place la banane évidée juste ici. Et là, je verse mon délicieux Nutella. Ça devrait suffire. Je n'ai plus qu'à presser le levier. Hii! Maintenant, ma banane est remplie de Nutella. Cette fois-ci, j'ai hâte de la manger. Wendy? Oh, salut Dolly! Oui, je mange une banane pour le goûter. Ouf! Il s'en est fallu de peu, mais je crois qu'elle n'a rien remarqué. Oh, regardez-moi ce délice de chocolat aux noisettes! Oh mon Dieu! C'est tellement bon! C'est la meilleure banane que j'ai mangée de ma vie! Coucou, je suis enfin rentrée de l'école! Il était temps! Hé, je suis toujours jolie, mais j'ai besoin de quelques retouches de maquillage. Oh, oups! J'avais oublié d'enlever mes lunettes. Je vais remettre un peu de poudre teintée. Voilà, je pense que ça ira. Et maintenant, du mascara. Il faut que je recouvre bien mes cils. Oups, j'en ai mis sur ma paupière. Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je m'en suis bien sortie. Ce rouge à lèvres rose est mon préféré. Il est vraiment trop beau. J'adore. Oh, Wendy, tu es rentrée. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je sais, tu te remaquilles. Fais voir ce que ça donne. Ouais, j'avais besoin d'une retouche. Dolly? Dolly! C'est pas vrai! Est-ce que ça va? Allez, viens, relève-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a fait chuter comme ça? Pourquoi est-ce que tu mets du maquillage? Oh, je ne t'ai pas dit? Regarde, c'est une annonce pour un défilé de mode. Un défilé de mode? Je vois. Bien, si tu veux y participer, je vais te donner un coup de main. Suis-moi. Hein? Assieds-toi sur le canapé. Quoi? Il faut que j'arrange ton maquillage.
Mais j'y ai déjà passé des heures. Oh, bon, très bien, je vais tout enlever puisque c'est ce que tu veux. Oui, et n'oublie pas d'enlever ton rouge à lèvres aussi. Beau travail, Wendy. Maintenant, laisse-moi attraper mon maquillage. Waouh, c'est quoi tout ça? Où est-ce que tu as eu cette énorme mallette? C'est là que je garde tout mon maquillage et mes produits. Regarde, on va mettre le fond de teint liquide sur une brosse rotative. Regardez comme ça tourne vite. C'est super rapide. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, je vais laisser la brosse appliquer le fond de teint sur ta peau. Waouh, c'est tellement doux! Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, maintenant ta peau est parfaite. Génial! Qu'est-ce que tu as comme mascara dans tout ça? Oh, waouh, tu as des faux cils magnétiques! Exact, comme ça tu n'auras même pas à mettre de mascara. Ne bouge pas, je vais mettre ces faux cils par-dessus tes vrais cils. De quoi est-ce que j'ai l'air? Je parie que c'est beau. Oh, des lèvres? Je pense que c'est bon, là. De quoi ça a l'air? C'est incroyable! La couleur est spectaculaire. Mais il va aussi falloir que tu changes de tenue. Tiens, d'accord, c'est parti. Dolly, tu as un vrai sens de la mode. C'est super chouette. Oh, regarde, on est presque habillés pareil. Parfait, allons-y. Oh, maintenant qu'on est là, je me sens hyper nerveuse. Tu sais quoi? Je ne vais pas le faire. J'ai trop peur. Tout va bien. Prends une grande respiration. Tu vas y arriver. Oups, désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis là pour le défilé de mode. C'est vrai qu'elle est jolie. Salut! Waouh, tu es magnifique. J'adore ton haut. Je savais que ça marcherait. Plein d'eau. Les insectes ajoutent des protéines. Je commence vraiment à regretter ça. Je vais vous montrer. La barbe à papa va dans le bol. Vous avez compris? Je le savais. Je ne faisais que m'amuser. Ça va être bon. Je la trempe. Que va-t-il se passer? Oh, il y a quelque chose là-dedans. C'est une poupée. Une poupée est vraiment sale. Je la veux pas. Regarde-la. Oh, quelle malchance. Mais c'est très drôle. Tu n'as pas besoin d'être méchante à ce sujet. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Hein? Oh, c'est vrai. Je suppose que je ferais mieux de le découvrir. C'est parti. Elle commence à se dissoudre. Tu sais, j'aurais pu manger cette barbe à papa. J'étais heureuse de le faire. Oh, je vois une poupée. Enlevons ses cheveux de ton visage. Je te sors de là. Je n'aurais peut-être pas dû me moquer de Mindy. Ma poupée a un look de hobo. Tu n'es plus aussi arrogante, n'est-ce pas? Hé, ça suffit! Alors, on fait quoi maintenant? Ne me regardez pas, j'ai de meilleures choses à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle nous a laissé tomber? Au moins, on a une poupée. C'est tellement rafraîchissant. J'en avais bien besoin. Oh, oh, je crois que j'ai trop bu. J'ai envie de faire pipi. Je ne peux pas me retenir. Attendez, qu'est-ce que c'est? Est-ce une poupée? Qu'est-ce que tu fiches là-dedans? Oh, tu as une mine affreuse. Sans vouloir t'offenser, je ne peux pas te laisser comme ça. C'est ton jour de chance. C'est l'heure du relooking. Il faut qu'on t'enlève toute cette saleté. Oh, c'est vraiment dégoûtant. J'espère que ce n'est pas de la crotte de nez. Ça colle. Ensuite, les boutons, ça risque d'être un peu dégoûtant. Oh, celle-ci était balèze. Je ne vais pas mentir, ça me plaît. Tu as déjà meilleure mine, ta peau est éclatante. Place à la détente. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est tellement romantique. La journée a été longue. Il est temps de dormir pour se refaire une beauté. Tu me rends tellement heureuse. Une nouvelle journée, un nouveau beignet. Attendez, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'entendre ça. Il se passe quelque chose. Nouvelle de dernière minute. Les vampires sont plutôt cool. Mais en réalité, ils sont juste mal compris. Alors n'oubliez pas, les vampires ne sont pas coupables. La prochaine fois que vous verrez un vampire, serrez-le dans vos bras. Bonne nuit. Qui l'eût cru? J'imagine que vous êtes libre de partir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes libres. Sortons d'ici. Attendez une seconde. Vous ne pouvez pas partir. De quoi est-ce que vous parlez? Vous voulez dire ma poupée? Vous avez entendu le présentateur? Ça concerne uniquement les vampires. Mais... pas question que je quitte ma meilleure amie. Tant pis, on reste ici. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. On sortira toutes les deux de cette cellule. Waouh, regardez-moi ça! Cette couleur m'irait à merveille. J'ai toujours voulu avoir des lèvres pulpeuses. Je me trouve superbe. Oh yeah! Ça a bon goût!
Qu'est-ce que vous regardez? Ça devient un peu bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez, ça me donne une idée. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Mets-toi à l'aise. Tout d'abord, il faut qu'on se débarrasse de ce maquillage. On va repartir de zéro. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, je vais ajouter un peu de maquillage rouge. Waouh! J'adore ce look. Tu déchires grave. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut qu'on se débarrasse de tes cheveux. Ne bouge pas. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Dis adieu à tes mèches blondes. C'est tellement dépassé. Waouh! Ton crâne brille de mille feux. C'est bon, j'ai un plan. Nous avons besoin de quelque chose de sombre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh non, encore un fil qui dépasse? Attendez une seconde, c'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Tu es plus belle en brune. On a l'air de jumelles. Tes cheveux sont super longs. Et maintenant, laissez-moi réfléchir. Une seconde, mes ongles. J'ai trouvé. On va te faire une manucure. Puisqu'on ne peut pas aller au salon, je vais devoir utiliser un pistolet à colle. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais faire de longs fils de colle. Et ce, sur chaque doigt. Ensuite, je laisse la colle sécher. Et je coupe l'excédent de colle. Waouh, c'est beau! Mais il manque une couche de vernis à ongles. Et j'ai la couleur parfaite. Il doit être noir. Ça ajoutera une petite touche dramatique. Je dois me concentrer. Je ne veux pas tout gâcher maintenant. Je suis assez fière de moi. Laisse-moi te regarder. Waouh, tu es magnifique! On a fait du bon travail! Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Je n'aime pas cette tenue. Ça ne fait pas assez monstre des ténèbres. Je ne vous dérange pas. C'est beaucoup mieux. Tu es super glamour. Maintenant, sortons d'ici. Hé, par ici. On aimerait partir. J'ai compris. Hein? Attendez, c'est un autre vampire. Elle a l'air vraie. Ok, vous pouvez y aller. Sésame, ouvre-toi. Je savais que ça marcherait. Ciao. Évitez les ennuis. Et aussi les pousses d'ail. Oh oh, ce n'est pas bon ça. Où est la clé? Oh. Partager une chambre avec quelqu'un peut être difficile, surtout si vous avez des goûts différents. Mais qui sait, vous deviendrez peut-être amis. Selon vous, qui a créé la plus jolie chambre? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Ma poupée Ken est prête à faire la fête. Découvrez sa nouvelle chemise. Je sais comment attirer son attention. Oups, et voilà qu'il va commencer à pleuvoir. Oh, hé, pas sur ma poupée. Sérieusement, Sunny? Désolée, c'était un accident. Ouais, c'est ça. Prépare-toi à la vengeance. Attrape-la, Ken. Prends ça. Ha, je l'ai eu. Bien fait, oh ouais. Son nouveau manteau de fourrure. Il y a une énorme tache dessus maintenant. Tu vas payer pour ça. Peu importe, c'était hilarant. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'ai peur. Ah! Je suppose que nous sommes coincés ici. Oh, c'est si sale. J'ai peur de la toucher. C'est comme si elle s'était roulée dans la boue. Je peux pas laisser mes poupées ressembler à ça. Je prends les choses en main. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? C'est vraiment grave. Voyons voir. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Il s'agit d'une jolie baignoire en plastique. Je crois que j'ai une idée. Ce plastique est ennuyeux. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu d'or? Waouh, ça a déjà l'air d'aller mieux. L'or est ma couleur préférée, après tout. Et ce tampon fait des merveilles. Ce modèle est trop cool, non? Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Et j'ai terminé, mais je dois fixer la couleur. Le vernis à ongles transparent fera l'affaire. C'est tout ce que j'ai dans mon sac. Le temps des paillettes. J'adore tout ce qui brille. Il ne faut pas oublier l'autre côté. Wouhou! Une pluie de paillettes. Je ne me lasse pas de ces produits. Voilà, j'en ai fini avec l'or. Il ne reste plus qu'à apporter quelques touches coûteuses. Rien ne me rend plus heureuse que les bijoux. Ils apportent une touche particulière, n'est-ce pas? Oh, fabuleux! Tadam! Voici un bec pour l'eau. Tellement luxueux! J'aimerais que mon bain ressemble à ça.
Wow, elle a fait ça! Mais au lieu de le remplir d'eau, c'est le soda diététique qui est à l'honneur. Ces bulles éliminent la saleté. Juste assez. Mais j'ai besoin d'un peu plus de force. Bonjour les bulles! Regardez tout ça! Ça va être génial! Tout ce qu'il y a de mieux pour ma douce Barbie. Sympa! Elle est prête pour le bain. Entre, ma fille! Ah, c'est tellement relaxant! Et dire que je l'ai fait à partir de rien! Regardez cette beauté! Et on dirait de l'art véritable! Il ne faut pas oublier les friandises! Bravo pour la propreté! Hé! Magnifique, merci! Oh ouais! Hein? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sérieusement, Sunny? Mais comment? Pourquoi ne pas t'occuper de tes affaires? D'accord. Attends, je vais m'occuper de toi, Ken. Que la fête commence! Burke! Est-ce que je peux utiliser un de ces trucs? Dégoûtant! Quelle déception! En fait, je pourrais peut-être utiliser ça. Les choses s'améliorent enfin. Est-ce que vous avez déjà fabriqué votre propre rideau de douche? Ça a l'air bien, mais qu'est-ce qu'une douche sans pommeau de douche? C'est la pièce parfaite. Tout est prêt. Quelqu'un va bientôt être propre. Prêt, Ken? Bonne douche. Ça va te faire du bien. Waouh, c'est pas mal, Alex. On dirait que t'as terminé ton bain. Voici ta serviette. Tellement plus fraîche. Waouh, t'as l'air d'aller beaucoup mieux. Toi aussi. Bravo, t'as l'air bien. Merci, mec. Oui, continue à faire des sauts. C'est l'heure des abdos. Waouh, ça doit être agréable. Elle ne travaille jamais pour rien, tu vois. Quoi qu'il en soit. Continue, concentre-toi. 3, 4. Oh, est-ce que le soleil est dans tes yeux? Oh non, c'est pas bon. T'as besoin d'ombre. Je ne peux pas rester ici toute la journée. T'as besoin de tes propres lunettes de soleil. Je vais m'en occuper. Est-ce que tu aimes celle-ci? Celle-ci ne fonctionne pas. Oh! Ouh, celles-là sont super mignonnes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop mignon! Le pouvoir des fleurs. Pourquoi est-ce que j'ai encore ça? Bizarre. Il faut que je trouve quelque chose ici. Hé, et ça? Oh, elles sont tout simplement trop grandes. Hé, qu'est-ce que c'est? Je sais ce que je peux faire. Donnez-moi ce truc. Je vais fabriquer de nouvelles lunettes. Les miennes sont une source d'inspiration parfaite. C'est parti. Je me contenterai de tracer l'image. Vous voyez comment j'ai ajusté la taille? Je sais maintenant qu'elles seront parfaitement adaptées. Ah, j'aime bien les signes de dollars. Trop mignonne. Prête à essayer ce super accessoire? Et voilà. Ces lunettes sont si riches, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je porte les miennes aussi? C'est fait! J'adore! Wow, belles lunettes! Tu en veux? Moi aussi! Hé, hey, et ce truc? Les trombones sont faciles à plier. Voyons voir. Très délicat. Est-ce que ce truc ressemble à des lunettes de soleil? Sympa! Et elles sont juste pour toi! Essaye-les! T'es un beau petit diable! Des lunettes sur mesure! Hein? Je suppose qu'elles sont mignonnes. Il mérite lui aussi d'en avoir une paire. Hé, hey, Alex! Hein? Tu les veux? Oh, parfait! Elles sont toutes à toi! C'est vrai? C'est très gentil de ta part! Je n'ai jamais eu de lunettes de soleil auparavant. De quoi est-ce que j'ai l'air? Tu les aimes? Nous avons de belles poupées! Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vive nous! Oh! Ouais! D'accord, jouons! Oh! Hé! Bonjour! Arrêtez! Oh, un homme égoïste! Oh! T'as eu plus de chance, Barbie? Waouh! Bonjour, mademoiselle! M'abonner à quoi? Oh! Désolée! Oh, c'est de l'argent que tu veux? Oui!
Non. Sérieusement, c'était grossier. Bonjour, avez-vous un peu de monnaie? Bien sûr. Hé, attendez! Waouh! Quoi? Où est-ce que nous sommes? Je suis pauvre. Regarde cette robe! Je l'adore! Parle juste pour toi-même. Oh, cette poupée est tellement ennuyeuse! Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour elle? Cette poubelle est pleine de choses! Voyons voir. Oh! Je pense que je peux commencer par ça. J'ai soif! J'ai fini! Une vieille boîte de chips? Hé! Hey, pourquoi t'as fait ça? Ah! Oh, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? De nouveaux vêtements, hein? Oh, ces perles! Quoi? Tu penses à la même chose que moi? Il est temps de faire une mise à niveau de ton style de mode. On commence par une grande bouteille d'eau. Et ce petit truc. Une fois qu'on le coupe, on colle dessus quelques petits bijoux. N'est-ce pas trop mignon? Ce sera l'accessoire parfait pour les cheveux. Et voilà! Est-ce que tu aimes? Il n'y a pas de quoi. Ah, peu importe. Attends. Oui, j'en ai besoin tout de suite, d'accord? Hein? Attends. Comment es-tu arrivé si vite? Merci, à plus tard. Regardez ce bling-bling. Ça a l'air cher. Ah oui, d'accord, tu es là. Je suppose que tu peux l'avoir. Il est en fait très mignon sur toi. Et ce bandeau est tout à fait assorti. Elle est la plus mignonne. Pas plus mignonne que ma poupée. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il manque encore quelque chose à cette poupée. Je suis du même avis. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je crois que j'ai quelques achats à faire. Voyons voir. Waouh, c'est très mignon! Une livraison rapide! Autant tout prendre! Regardez tout ça! Hein? Regardez tous ces nouveaux vêtements! Je n'arrive plus à gérer ce que j'ai. Ce n'est certainement pas ce qu'il me faut. Heureusement que j'ai ce truc! J'espère que ça nous permettra de rester organisés. Regardez tous ces placards! Parfait pour contenir des petites pièces comme celle-ci. Rien de tel qu'une belle armoire bien remplie. Je me sens si riche! Et il y a même des emplacements pour tous tes accessoires. J'aurais aimé qu'ils soient à ma taille. C'est bien! Je me sens déjà mieux. Waouh, quel garde-robe! J'aurais tellement aimé avoir quelque chose comme ça. Si seulement... J'adore rendre les gens jaloux. Je ferais mieux de commencer à essayer des choses. Je n'ai rien à te faire porter. T'as l'air si belle, ma fille! Mais quelle est cette odeur nauséabonde? Ça ne vient pas de toi. Qu'est-ce que tu regardes? Ding, ding, ding. J'ai trouvé la source de cette odeur nauséabonde. Tiens, t'en as plus besoin que moi. Oh, merci. En fait, je peux l'utiliser. Tout d'abord, je coupe les orteils. Ensuite, je fais une petite entaille ici, mais pas jusqu'au bout. Puis, je tire le lacet vers le bas. Essaye-la! Pouvez-vous croire qu'il s'agissait d'une chaussette? C'est trop mignon! Je suppose que c'est bien. Ce n'est pas une robe de bal. Oh, je sens encore quelque chose. Oh non, est-ce que l'odeur vient de moi? Je ferais mieux de m'acheter de nouvelles chaussettes. Ensuite, nous pourrons aller au centre commercial et... Mindy, où es-tu allée? Elle a laissé sa poupée? Oh non! Hé, où est-elle allée? Dis-moi! Oh, je te ramène à la vie! Rien? Oh, je sais! Délicieux! Qu'est-ce que Jasmine fait à ma Barbie? Hein? Oh, hé! Tu as des hobbies bizarres!
Je m'assure juste qu'elle va bien. Tu veux jouer? Nous sommes prêtes. On a l'air en forme, ma chère. Certainement. Je suppose que l'argent ne compte pas quand il s'agit de s'amuser. Ma poupée est si jolie. Il suffit de la regarder. Bonjour, voisine. Waouh, tu as l'air tellement glamour. Tu es une beauté naturelle. Et tu vois ça? Il y a un beau gosse là-bas. Je pense que tu as un admirateur. Va dire bonjour. Ne sois pas timide. Regarde ce mec. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Hé, on l'a vu en premier. Non, non. Dégage, essaye donc. Hé, arrêtez. Je suis pas un morceau de viande. Waouh, où sommes-nous? Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, et beau gosse. La roue tourne. Sur quoi elle va s'arrêter? Personne ne le sait. Oh, elle s'est arrêtée sur l'ours. Adorable. Faites-moi un ours en peluche. Pas de problème. Regarde tout cet argent. Ouh, joli. C'est ça, continue à regarder. Où ira-t-il ensuite? C'est un mystère. À moi, à moi. Je dois faire vite. Arrête de bouger. Une petite coupe ici, une grande par là. Et j'ai un ours en peluche. Je le place sur une feuille de papier. Attention aux plis. Regarde. Pas mal, hein? Je suis riche. Ça me dit quelque chose. Je l'ai amélioré. Oh, je vais en acheter un œuf. Mais d'abord, j'ai besoin d'un ours. Tant d'argent. Prends l'ours, donne-moi l'argent. J'ai de grands projets pour ça. J'ai besoin de peinture. Je l'appliquerai sur le papier. Je dois m'assurer qu'il est couvert. J'irai jusqu'en bas de la feuille. C'est amusant. J'ai presque fini. Ça devrait suffire. J'espère que tu peux retenir ton souffle, Teddy. Je vais badigeonner l'ours de peinture. Voilà, on badigeonne bien. Je pense que c'est assez. Je peux le retirer maintenant. J'ai besoin d'une autre feuille. J'y presse l'ours. Je le déplace légèrement. Il a besoin d'un petit nœud. Mignon, non? C'est tout ce que tu as? C'est un peu décevant. Et toi, tu as ruiné mon ours? La poupée de village gagne. Je le savais. Gilly gilly. Tournons la roue. C'est un téléphone. Appelez-moi un de ces quatre. Oh, ce sera facile. Non, pas celui-ci. C'est ce que je cherche. Je le mets ici. Maintenant, je vais prendre une petite photo. C'est parfait. Il est temps de l'imprimer. J'adore la technologie. Oh, c'était rapide. C'est exactement ce que je veux. Hé, regarde ça. Waouh, c'est génial. Et ça me donne une idée. J'ai besoin de votre aide. Vous devez peindre un téléphone. Ça vous coûtera cher. Je suis un peu à sec. Un instant. Réfléchis. Ouh, c'est ce que je cherche. De délicieux œufs frais. C'est mon jour de chance. Ne le dites pas au fermier. Hé, monsieur l'artiste, que diriez-vous de quelques œufs fraîchement pondus? Laissez-moi voir. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, je suis végane, mais bon, marché conclu. Ouh, joli coup de pinceau. Ouah, vous avez beaucoup de talent. Ma mission est terminée. Et voilà. Ouah, il me faut du bacon. Me revoilà. Je l'ai peint moi-même. J'espère qu'il te plaira. Ignore-la. Waouh, vous avez l'esprit de compétition. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et c'est lui. C'est un véritable visionnaire. Quoi? Hein? Un point? Je suis à nouveau dans la course, bébé. Et maintenant, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est un petit chien très mignon. À vous de jouer. Ouaf, ouaf. Grrr. Hip, hip. C'est difficile à regarder. Je sais quoi faire. Tout d'abord, j'écris « dog ». Ensuite, je dessinerai des yeux. Et deux grandes oreilles tombantes. Ce sera le nez. Je sais qu'il sera super. Ensuite, le corps. Tout se passe bien. Quoi d'autre? Ah, la queue. Comment ai-je pu oublier? Waouh, impressionnant! Va chercher un os ou quelque chose comme ça.
Je dois me concentrer. Cette couleur est parfaite. Ensuite, je colorie la langue en rouge et c'est tout. Un petit chiot adorable. Ta-da! Je sais, il devrait être dans une galerie. J'ai un bon pressentiment. On doit la battre. Hein? T'as dit quoi? Oh, tu veux jouer à la balle? Vas-y, va chercher. Qu'est-ce que tu fais? Youhou! Ça a vraiment marché! J'y crois pas! Cette poule ne me déçoit jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ce doit être un rêve. Mettons-nous au travail. Je vais dessiner autour du chien. J'espère qu'il ne bougera pas. Voilà, j'ai terminé. Comme deux gouttes d'eau. J'ai vraiment dépeint tes qualités. Que se passe-t-il? Non, lâche! Va chercher ton propre dessin. Attention! Donne-moi ce dessin. Qu'as-tu fait? C'est fichu! Je croyais que les chiens étaient censés manger les devoirs. Peut-être que personne ne le remarquera. Cette décision ne devrait pas être difficile à prendre. Vraiment? C'est ça que tu me donnes? Pouah! Bon, la poupée de ville gagne. Youpi! J'ai réussi! Ouais, c'est plutôt juste. C'est tellement hypnotique. Cette fois, c'est une Pokéball. Ah, rafraîchissant. Ça fait du bien. Qui a besoin d'un salon de beauté? Faites attention à moi. Vous êtes encore là? Attrapé? T'as vu ça? C'est à moi. Trop lente. Tu peux l'avoir. Zut, merci. Il reste du soda. Ah! Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah! Oh, j'aurais préféré ne pas savoir. Mais ça me donne une idée. Je ferai mieux de m'y mettre. Je vais dessiner mon personnage préféré. Je commencerai par les oreilles. Les pointes doivent être colorées en noir. Ça se présente bien. Ensuite, je vais dessiner le visage. Les joues roses. Maintenant, deux grands yeux. Tout se passe bien. Je colorie les yeux en noir. Faut pas que ça déborde. Je fais de même avec l'autre. Le nez n'est qu'un triangle. J'ai besoin d'un beau et joyeux sourire. Regardez-moi ça. Mais il y a encore du travail à faire. Je vais rapidement dessiner le corps. La queue ressemble à un éclair. Enfin, je dessine deux bras. Je me surprends parfois. Il est temps de le colorer. Ce rouge est idéal pour les joues. Elles se démarqueront vraiment. Puis, je vais remplir la bouche. Ensuite, j'aurai besoin de mon feutre jaune. Je commence par la queue. Je prends mon temps. Je ne veux pas tout ruiner. Enfin, un peu de rose pour la langue. Ça devrait suffire. C'est Pikachu! Jette un œil. Incroyable! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde. Je peux utiliser ce gobelet. Je commencerai par découper un trou de chaque côté. Maintenant, j'ai besoin d'un tas de paille jaune. Je les coupe et les colle ensemble. Je les mets dans le gobelet, comme ceci. Ensuite, je peux coller la tête de Pikachu au sommet. J'ajouterai ses cœurs au bras. Ça me rend si heureuse. Et un autre cœur en plein milieu. Et maintenant, la partie la plus amusante. Hé, Pikachu danse! Hé, Kevin! Faut que tu vois ça. Ces pas de danse sont plutôt mignonnes, non? Je pourrais le regarder toute la journée. C'est l'heure du jugement! La poupée de village gagne cette manche. Désolée. Youpi! Je suis la meilleure! Youhou! Oh, c'est pas juste! J'aurais dû gagner. Ouh, c'est Kevin! Ça roule? Tu veux sortir d'ici? J'attendais que tu le dises. La vie peut être si cruelle. Adieu, loser! Allons-y. Tu m'as rendue si heureuse. Mais, et moi alors? Je n'ai jamais de belles choses. N'ai-je pas droit au bonheur, moi aussi? Au moins, mon argent me tiendra compagnie. Le poulet est prêt. À table. Phew! Voilà un festin qui met l'eau à la bouche. Oh! Les tomates? J'ai oublié de les mettre dans la salade. Bon, autant s'y mettre tout de suite. À nous deux, les tomates. Thomas est rentré. Oh, trop bien! Tu as acheté ça! Arrête-toi là, bonhomme. Pas de chips tant que ces tomates ne sont pas coupées. Je serai dans le salon. Oh, c'est trop nul! Il y en a combien là-dedans? Ça va me prendre 1000 ans. Mais bon, ce n'est pas très compliqué de couper des tomates, n'est-ce pas? Il suffit de couper au milieu. Je continue.
Piou! Sérieusement? C'est tout ce que j'ai fait? Il en reste combien? Oh, ça ne va jamais finir! Oh! Hé! Hey, ce couvercle pourrait m'aider! Il est bien plat! Je vais essayer! Cette tomate et un couvercle. Et un seul coup de couteau. Tant que tu tiens bien le couvercle, toutes les tomates peuvent être coupées en deux en même temps. Tu vois? La découpe parfaite. Ça, ça fait gagner du temps. Tout ça grâce à un simple couvercle. Et hop, dans le saladier. Ce truc ne me fait plus peur maintenant. En fait, c'est même plutôt marrant. J'ai fini. Maman, j'ai fini. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Oh, cette série est trop drôle. Oh, je me suis fait avoir. Et là? Comment tu as écrit Pangé? Je suis plus intéressée par la perspective du déjeuner. Je sais ce qui peut m'aider à tenir jusque-là. Il n'y a plus que des emballages. Moi et ma foutue faim permanente. Il ne me reste plus qu'à attendre. Ouh, je peux piocher dans ma cachette secrète. Elle me sauve la vie. Bonjour, beau sandwich. Je l'ai mangé aussi. Ça en devient ridicule. Ce n'est pas avec ça que je vais aller bien loin. Je commence à avoir vraiment faim maintenant. Attends. Tu crois que ces chewing-gums sont toujours bons? Ils l'étaient avant. Mais qu'est-ce que fait Rosie? Mais qu'est-ce qui me prend? Ma faim me fait délirer. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Viens par là, mon pote. Je t'en prie, ne me tue pas. T'en faut y aller. Hé, Rosie! Rosie! Non! Même pour la plus grande des faims, on ne prend pas un chewing-gum déjà mâché! Hé! J'en ai besoin! Je ne te pourris pas ta nourriture! Tu aurais dû me demander! Ça devrait t'aider à tenir! Ça ressemble peut-être à du stick à lèvres, mais ça n'en a pas du tout le goût! Oh, je préférerais encore manger ce chewing-gum! Fais-moi confiance, d'accord? L'odeur est plutôt agréable. Bon, je vais en prendre un petit bout. Oh, c'est super bon! Qu'est-ce que c'est comme maquillage? Il va te falloir un bout de fromage et un stick à lèvres vide. Appuie avec le tube dans le fromage. Et quand tu l'en sortiras, il sera rempli de bon fromage. N'oublie pas de remettre le bouchon. C'est une idée de génie! Il ne me manque plus que du pain. Heureusement que j'en ai pris deux. Ceux qui aiment le fromage sont faits pour s'entendre. Oh, j'ai super faim, mais je suis coincée en salle de colle. C'est trop nul d'être punie parce qu'on est en retard. Ça suffit, j'ai besoin de manger quelque chose tout de suite. J'ai ce paquet de cookies, il doit bien rester quelque chose à manger là-dedans. Les miettes m'iront très bien, allez dans ma bouche. Attends, c'est tout? Non! Il doit bien y avoir quelque chose d'autre que je puisse grignoter. Peut-être ici? Ouais, je savais que j'avais collé un bonbon là-derrière. Oh, yes! Tout ce dont j'avais besoin. C'était très bon, mais j'ai encore faim. Monsieur? Hé, monsieur le professeur? Je peux aller aux toilettes? C'est non! Vous êtes en retenue! Mais regardez le nombre de lignes que j'ai déjà écrites! C'est pas assez! Continuez! J'arrive pas à croire qu'il soit juste assis là à me regarder! Oh, il est occupé! C'est l'occasion de passer un appel! David, je suis en salle de colle! J'ai trop faim! J'ai besoin de ton aide! Sérieux? Tu veux que je voie si je peux faire quelque chose? Hein? Hé! Hey, c'est l'heure de passer à table! Ok, voyons voir. Il y a le prof assis à son bureau. Oh mon Dieu! Je suis là! Attends! Oh mon Dieu! Non, c'est David! Hé, je suis là! Hé, Madison, je suis là! Attends! Ok, je prends ce skateboard.
Je vais y ajouter quelques snacks. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre du ruban adhésif à ces sachets et les coller sous la planche. Je vais la remplir de toutes sortes de friandises. Maintenant, je dois livrer ça à Madison avant qu'elle ne meure de faim. Hé, hey, regarde ça, je suis un génie. Ok, il est prêt à être expédié. Oh mon Dieu, il m'envoie son skate. Je l'ai. Voyons voir ce qu'il m'a envoyé. Ouais, il a assuré. Regardez tout ce qu'il y a. Oh mon Dieu, ça sent bon. Yes, il n'a rien remarqué. Oh, mon dos, tout me fait mal. Je peux vous aider? Je viens voir mon amie. Oh, pas facile la grossesse. Oh, vous êtes enceinte! Je croyais que vous étiez juste enrobée. Ah non, non, c'est pour bientôt. Je peux écouter le bébé? Dis donc, il est en train de faire du sport ou quoi? Oui, bon, je ferais mieux d'y aller. Oh, bien sûr. Qui êtes-vous? Oh, salut toi, trop content de te voir. C'est moi, je suis déguisée. Oh oui, j'ai compris. J'ai une surprise pour toi. Ta-da! Mais non, c'est incroyable! J'en ai encore plus! C'est qui le scanner le plus mignon? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Vite! Fais comme si de rien n'était! Il y a quelque chose de louche. Oh! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il... Enfin, elle... Elle va accoucher! Le bébé arrive? Ne vous inquiétez pas, j'ai les choses en main. J'ai un diplôme de sage-femme. On va sortir ce bébé. Je n'avais pas imaginé ça! Alors respirez normalement, comme ça! Qu'est-ce qu'on fait? Ne me regarde pas! Fais semblant d'accoucher! D'accord! Oh, je crois que je sens le bébé! Je crois que je vois le... Oula! J'ai cru qu'il y avait... un bébé! C'est une fille! Je l'ai appelée Bonbon! Il faut que j'y aille! Au revoir! Au revoir, ma belle! Quel joli nom! Qu'est-ce que je suis belle! Oh, salut Elsa! Salut! Attends, je prends mes AirPods. Je ne sors jamais sans. C'est un accessoire indispensable de ma routine de beauté. J'adore cette couleur. Elsa, qu'est-ce que tu fais? Attends, ça marche pour de vrai? Je vais essayer. J'ai toujours rêvé de porter du rouge à lèvres bleu. Hein? Ça ne fait rien du tout. Cette journée n'en finit plus. Bonjour, je suis venue m'entraîner. Super, mais rappelle-toi les règles. Pas de bonbons ni de nourriture. Je vais devoir regarder dans ton sac. Pas de soucis. Je suis sûre que ça va aller. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Oh oh! C'est quoi ça? Des bonbons, sérieux? Il n'y en a que quelques-uns. On peut en discuter? Fiche le camp. Ça me semble un peu exagéré. Attends! Et si... Ce tiroir me donne une idée. Ça pourrait marcher. Je reviens. Oui, tout le monde dit ça. Je commence par prendre une basket. Il me faut également un cutter. Je vais découper un petit trou dans la chaussure. Puis je prends une boîte d'allumettes. Je la vide et je l'insère dans le trou. C'est pile la bonne taille. Je remplis la boîte de bonbons. Personne ne saura jamais rien. Je t'ai demandé de partir. T'as qu'à vérifier mon sac. Waouh, il y a vraiment des gens sans gêne. Si je trouve encore un seul bonbon, je vais me fâcher. Hein? Il n'y a rien du tout. C'est vraiment gênant. Voilà ta clé de casier. Bonne séance. Merci. Je vais commencer par quelques étirements. Ah, ça fait du bien. Oh, quelqu'un arrive. Je crois que la voie est libre. C'est l'heure de manger un bonbon. Tous ces étirements m'ont ouvert l'appétit. Je l'ai bien mérité. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, où j'en étais? Oh, Brian vient de m'envoyer un message super mignon! Oh non, c'est aujourd'hui le contrôle! Donne-moi ton téléphone. Celui-là aussi. Sérieusement? Je ne veux pas lui donner mon téléphone. Ah, tenez! Il est beaucoup trop important pour moi. C'est quoi ce bruit? Hé, petite, j'ai besoin de ta brique de jus de fruits! Désolée! Mais c'est à moi! Au grand mot, les grands remèdes! J'espère vraiment que ça va marcher. Je vide la brique et je découpe le carton. Je place un morceau de scotch double face sur la coque de mon téléphone. Ça va me permettre de coller le téléphone dans la brique. Ensuite, je prends une paille, je la glisse à l'intérieur et voilà, le tour est joué. Pardon pour le retard. Assieds-toi, Elsa.
Phew, qu'est-ce que j'ai soif. Heureusement que j'ai pris une brique de jus de fruits. Personne n'a remarqué. Je peux chercher les réponses sur mon téléphone. Mais il ne faut pas qu'on me voie. Si tricher était une matière, j'aurais de super notes. Je m'en sors pas mal. Et voilà, terminé. Phew, ça m'a donné soif. Je sens que je vais avoir une bonne note. Je suis un génie. Quelle soirée, la fête bat son plein. Halte là, s'il te plaît. C'est vraiment nécessaire. Ce sont les règles. Aucun objet de contrebande ne passera ses portes. C'est quoi? J'en étais sûre. Qu'est-ce que tu comptais en faire? Les boissons et la nourriture sont interdites. Je n'ai jamais vu ça avant. Je dois y aller. Est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. Ça va, je ne veux pas. Oh! Salut, tu es très jolie. Tu viens de me donner une idée. On se recroisera peut-être. J'espère. Halte là. Burke, elle a plein de boutons. Je dois vérifier ton sac. Je t'en prie, tu n'aurais pas un nettoyant pour le visage à me conseiller par hasard? Non, ma peau est parfaite. Il n'y a rien là-dedans. Tu peux entrer. Que la fête commence. Ciao. Tous ces bonbons, c'est dramatique. J'ai réussi, je peux les enlever maintenant. C'est bon. Et comme on se retrouve? Même pas en rêve. Il y a trop de trucs à apprendre. Pourquoi tu révises pas? J'étudie mon téléphone. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste à apprendre? Il y a trop de choses. Je sais plus quoi faire. Elsa, pourquoi t'es aussi détendue? Je comprends pas. Du calme. Du calme? L'examen est demain. Je sais. Je peux pas me planter. Tout est sous contrôle. J'ai un plan infaillible. Je vais me faufiler dans l'école à la nuit tombée. Une fois que la voie sera libre, je passerai à l'action. J'ai préparé tout ce qu'il faut, le scotch et les antisèches. Ensuite, je me mettrai au travail. Je vais scotcher le stylo sous mon bureau. Il faudra que ça tienne bien. Il ne faudrait pas qu'il tombe en plein examen. Ensuite, je vais glisser l'antisèche à l'intérieur. Comme ça, je n'aurai qu'à tirer dessus quand j'aurai besoin d'une réponse. Et à moi, la réussite. C'est le crime parfait. Et après, je ressortirai discrètement. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Je peux faire la même chose pour toi. Non! Pas question. Très bien. Débrouille-toi alors. Bouh! À plus, l'intello. J'ai jamais été aussi confiante pour un examen. Non! C'est mon bureau! Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Mais je crois que je vais me planter finalement. Je ne sais pas quoi choisir. Salut, mamie! Allez, viens, on y va! Une petite seconde. Il faut que je mange quelque chose. Non! On n'emporte pas ça. Oh, mon cœur se brise. Ne me sors pas les larmes de crocodile. Prends ce pot, Elsa. Il faut qu'on y aille, on va rater le début du film. Bonjour, j'espère qu'on n'est pas en retard. Vous êtes pile à l'heure, mais je dois vérifier votre sac. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vous ne savez pas lire. Les boissons et la nourriture sont interdites. Rendez-moi ça. Vous avez de la force pour une vieille dame. Lâche ça, fiston. Ne me faites pas de mal. Vraiment désolée. Cette mamie me fout la frousse. C'est tout le temps pareil, mamie. J'avais vraiment envie de voir ce film. Désolée, ma chérie, mais j'ai une idée. Donne-moi tes chaussures. Qu'est-ce que tu fais? Elles feront parfaitement l'affaire. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais aller voir ce film avec mon goûter ou rien du tout. Je commence par scier le talon de la chaussure, ensuite je colle le pot dessous. Pour ça, j'utilise de la colle chaude. J'attends que la colle sèche et voilà, tu peux les enfiler. Maman, elle a recommencé. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as fait avec mes chaussures? Tu ne veux pas qu'on soit en retard? Allez, plus vite que ça. Une seconde. On n'a pas de nourriture, vérifiez mon sac. On vient seulement voir le film. Ça fait du bien de sortir. C'est vraiment nécessaire? Enlève tes sales pattes. Quoi, tu veux danser, c'est ça? Waouh, mamie est douée. J'ai su qu'il y avait un lien entre nous dès notre première rencontre. Ça a marché. C'est l'heure du goûter. Il faut juste que j'enlève mes chaussures. C'était une super idée. Je vais me régaler. Ça sent bon. Je ne suis pas venue les mains vides. J'ai l'eau à la bouche. C'est trop bon. Je n'ai plus qu'à remettre le couvercle.
Waouh, j'ai hâte de vous présenter à ma mère. Oh, le film commence, je ferai bien d'y aller. J'espère que ça va plaire à Elsa. Tiens. Hein? C'est quoi? Une surprise? C'est vraiment pour moi? Évidemment, regarde ce que c'est. Non, qu'est-ce que tu fais? Regarde les panneaux. Ok, du calme. Je voulais juste être sympa. Il faut que je tente une autre approche. Je suis sûre que ça va lui plaire. Mais je vais avoir besoin de cet emporte-pièce. J'ai de délicieux bonbons là-dedans. Là, c'est la taille parfaite. Il faut que ce soit romantique. C'est là que l'emporte-pièce entre en jeu. Je vais garder le surplus pour moi. Maintenant, je vais retirer doucement l'emporte-pièce. C'est joli, mais ce n'est pas encore terminé. J'enfonce un feutre à l'intérieur. Et voilà une délicieuse sucette. C'est mignon en plus. Regarde Elsa. Quoi encore? C'est pour toi. Attends, c'est une sucette? Bien sûr que oui. J'espère que la prof ne va pas me voir. Elle a l'air tellement bonne. Un délice. Merci beaucoup. Mais ne le dis à personne. C'est notre petit secret. C'est délicieux et utile. Waouh, c'est génial. Attends, je te donne mon numéro. Ouais, je savais que ça marcherait. Donc, j'ai trop envie de faire la fête. Oh, belle soirée, j'arrive. C'est sérieux? C'est pas ce que j'appelle s'amuser. À moins que je puisse peut-être la faire passer en cachette. Attends une seconde, ces vieillards avaient une bonne idée. Oh ouais. J'aurais dû en prendre deux. Tu ne sais pas lire, jeune homme? Peu importe. Madame, me ferez-vous l'honneur? Oh, mon bon monsieur, je n'en vaux pas la peine. Un grand merci. C'était plus simple que je l'imaginais. Et maintenant, je peux en déguster dès que je veux. Encore une autre? Ça ne me donne pas du tout envie. L'or a vraiment bon goût. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on me fasse sortir d'ici? Oh, ce sont des donuts en or? Hein? Ils ne sont pas à toi! Toi qui es riche, tu peux bien m'en donner un? Ah! Je suis où? Attends, c'est ma salle à manger? À l'aide, quelqu'un! C'est bien meilleur que de l'or. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu repeins les barreaux? Ça te plaît? J'ai même une meilleure idée! Oui, madame! Elle détruit les barreaux! Tenez, pour la peine! Il faut juste soulever un peu... Tiens bon, ça s'ouvre! Beau travail, monsieur! Sérieusement, plus de barreaux? Oh, j'ai encore des barreaux! Mais ceux-là sont bien meilleurs! Je parie que je peux tous les manger! Bien moelleux! J'adore! Tu m'en donnes un? Non, ça va! Joyeux anniversaire, Emma! Oh! Vous vous en êtes souvenus? Merci! C'est une journée comme une autre! Qui peut... ou peut-être pas. C'est pour moi? Merci, moi. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Tout ce gâteau est pour moi, c'est ça? Aux fruits rouges, j'adore. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je préfère ça. Bien crémeux. Ha! Je double le rythme. Ça me ralentit d'utiliser une fourchette. Une app spéciale pour ma journée spéciale. Elle n'est pas magnifique. Je l'ai gardée du repas d'hier. Oh, hé, madame la souris, viens fêter ça avec moi. Tu es tellement jolie. Tu sais, c'est mon anniversaire. C'est pour toi. Rien de mieux que fêter son anniversaire avec sa meilleure amie. Délicieux.
Elle parle à une souris? Dis donc, j'ai vraiment faim! Hé, sécurité! Quand Emma appelle, j'accours! Votre dîner, chère prisonnière! Avec supplément fromage, comme vous l'aimez! Ça sera tout! Une salade grecque? Pile ce dont j'avais envie! Du fromage? Pardon? Oh, ça me dégoûte! Une mouche? Oh, je vais la tuer! Oh, allez! Ralentis juste une seconde. Sérieusement? Ha! Il faut juste que j'aille plus lentement. Je l'ai eu! La mouche, elle n'est pas derrière moi. Ah! Oh, c'est juste une petite mouche. Oh, c'est nouveau ça, non? Oh, ma commande devrait être arrivée depuis le temps. Oui, vous avez mon cheeseburger? Vous voulez de l'argent? Vous êtes venu au bon endroit. Gardez la monnaie. C'est vrai? Merci, riche prisonnière! Rien de meilleur qu'un bon burger, pas vrai? Je sens le gras! Ça vient de la cellule d'Emma! Bon sang, que ça fait du bien! Miam! Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'en ai mangé un! Oh, j'ai quelque chose à grignoter, moi! Rien du tout! Rien de tout ça n'est comestible! À moins que... Je ne me souvenais pas avoir laissé ça là! Viens par là! J'en sens presque l'odeur! Oh ouais, ça c'est bon! Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'imagination peut vraiment mener loin. J'étais encore en train de manger ma chaussure! Burk! Mimi! Oh! Je n'arrête pas de le faire tomber! Je ne peux plus l'utiliser maintenant! Heureusement que j'ai des relations. Oh, sécurité? Venez là un instant. Vous voulez vous faire un peu d'argent? C'est bien ce que je me disais. Faites vite, d'accord? Je vous couvre. Flambant neuf. Vous êtes le meilleur. Non mais regarde-moi ça. Et rien qu'à moi. Hé! Par ici! Quoi? Ça vous tente ces jolis bijoux? Pas mal, non? Ce ne sont que des déchets! C'est le mieux que je puisse faire! Ce truc peut envoyer des messages? Oh, c'est ça d'avoir de l'argent! Une autre après-midi trépidante! C'est déjà l'heure du dîner? Merci mon Dieu! Je me demande ce qu'ils nous ont concocté aujourd'hui. C'est comestible, ça? Je ne donnerai ça même pas à mon chien. Ça me dégoûte. Attends, qu'est-ce qu'elle a, Emma? Dis donc! Je suis prête! Ça doit être japonais ce soir. J'adore tellement les sushis! Tout frais en plus. Ah ouais? C'est sûr que ça a l'air très bon. Je ne suis pas un spectacle sur pattes. Gardien, au revoir. Oh, j'en aurais bien profité. Hé, attends un instant. Je sais. Ces murs ne sont pas creux par hasard. Par ici? Peut-être par là? Bingo! Ah, c'est parti! Juste un petit peu plus ici. J'avance bien. Et j'en mets partout. C'est bon. Il faut juste que j'aille un peu plus loin. Facile. Ah! Phew! J'ai réussi à m'échapper! C'est magnifique! Qu'est-ce qui se passe par là? Sarah s'est échappée? Gardien! Dépêchez-vous! Ah, je préfère ça. Hé, Emma! Ça ne va pas du tout! Je trouve ça génial! Trop confortable!
Et en plus, j'ai des bonbons. Lequel je vais prendre? On ne dit jamais non à un chocolat. Croustillant mais fondant. Oh, j'en ai marre de cette eau. Je comprends mieux pourquoi je suis trempée. Et voilà. Ça m'a fait du bien. Hein? L'emballage de chocolat? Presque aussi bon que si je l'avais vraiment mangé. Attends une minute. Je n'ai plus besoin de parapluie. Miam! Tout fini! Un autre? Sympa! Hein? Génial! Je suis riche! Hé! Ce qui est la poubelle d'une prisonnière est le trésor d'une autre! Que pleuvent les emballages! Ça, c'est la météo que je préfère! Et maintenant, l'étape délicate! J'y suis presque! Mesdames et messieurs, admirez le parapluie bonbon! N'est-il pas magnifique? Et bien sûr, on sait tous ce qu'est la mitochondrie. Génial, je m'ennuie et j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Tu sais ce que ça signifie? Petit casse-croûte. Dis donc, c'est quoi tout ce que tu as là? Mon goûter, pourquoi? Bon, moi, je suis déjà contente d'avoir mon cookie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens une odeur de nourriture. Les filles, vous connaissez les règles. Et pour cette raison, je vous envoie en défi. Oh! J'ai hâte de voir ce qu'on a. Tiens, ça ressemble à de la farine et de l'eau. Et moi, je crois que j'ai un lingot d'or. Mais non, il est trop beau! Je sors mes outils pour le sculpter. Dis donc, ça fait beaucoup d'or. Et voilà, j'ai fait un cupcake en or. Comment c'est possible? Et moi, je n'ai que de la farine et de l'eau? C'est vraiment trop injuste. Je suppose qu'il faut que je me mette à cuisiner. Il va falloir que je mette les mains pour cette étape-là. C'est bien, la pâte est en train de se former. Oh, elle est très collante. Pourquoi est-ce que je n'avais pas juste à former un lingot d'or? Oh, j'ai une idée! Pendant qu'elle ne regarde pas, je vais ajouter un peu d'huile. Oh, elle arrive! Attends, qu'est-ce qui est arrivé à ma pâte? Oh, elle essaye de se donner un air innocent, mais je sais que c'est elle qui a fait ça. Bon, il ne me reste plus qu'à me remettre au travail. Les vermicelles, ça améliore tout. Maintenant, je me remets à mélanger. Je crois que j'ai fini. Voilà donc ce que j'obtiens. Enlève ça de notre vue! La gagnante est Sarah, de loin! Oui, j'ai gagné! Un point pour moi et zéro pour toi! Oh, c'est l'heure de notre défi suivant! Une saucisse et un concombre. Je peux faire quelque chose avec ça. Et moi, des algues, du saumon et du riz. Je pense que je vais faire des sushis. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, l'inspiration va venir en cours de route. Allô? Oui, je cherche un cuisinier qui fait des sushis. Et maintenant, je n'ai qu'à attendre. Parfait, voilà mes ingrédients. Mais non! Regarde-là! Quoi? Elle a embauché un chef? Vos sushis sont prêts. J'ai fait deux types de makis au saumon. C'est vraiment pas juste. Pas grave. Moi aussi, je peux faire quelque chose de bon. Je vais simplement vider tout le milieu. Ouais, je creuse bien tout. Maintenant, je peux ajouter la saucisse. Et voilà, ça rentre pile poil. Et maintenant, je découpe d'un bout à l'autre. Tiens, c'est plutôt malin, je dois avouer. Tu vois, moi aussi, je peux faire des makis.
Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Allons-y, goûtons. Oh, j'aime le côté bling-bling ajouté par le diamant. Aïe! Oh non! Mes dents! Les diamants m'ont cassé les dents! Comment est-ce qu'on peut manger ça? Hé, hey, ce maquis hot dog n'est pas mauvais! Oh là là! La vie est unanime! Lily gagne ce tour! Ouais! Je le savais! Tu ne peux pas acheter chaque victoire, Sarah! Allez, c'est parti! Attends! Je vais ouvrir le mien en premier cette fois! Oh! Des chaînes en or et en argent! Tiens! Ouh! À moi de voir ce que j'ai! Bon, des nouilles japonaises lyophilisées. Je me demande ce que je devrais faire avec. Oh, je sais ce qui va être bon. Je vais simplement les mettre dans ce récipient. Bien, et maintenant voyons voir. Mais oui, je vais ajouter mes bagues. Hop, elles vont là-dedans. Elles vont m'aider à gagner. Maintenant, je referme. Fini, c'est parfait. Si tu le dis. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est vrai que j'ai une bouilloire électrique. Je peux peut-être faire quelque chose avec. Bon, autant essayer. Je vais simplement mettre les nouilles dedans. Sans oublier d'ajouter l'eau, bien sûr. Bon, ça devrait suffire. Je vais fermer et l'allumer. Regarde, ça commence à cuire. L'eau a chauffé super vite. Oh, en plus, ça sent bon. Et mes baguettes sont prêtes. Ok, super. Moi aussi, j'ai des baguettes. Des nouilles dans une bouilloire. Qu'est-ce que c'est? Des chaînes en or? C'est comestible, ça? Non, vraiment pas. Oh, ces nouilles sont cuites à la perfection! Lily gagne à nouveau ce tour! Ouais, j'ai pris la tête! On va l'ouvrir en même temps cette fois. Hein? Il n'y a rien là-dessous? Attends une petite seconde. Oh! Les ingrédients pour faire un burger! Merci beaucoup! Et moi alors? Je peux avoir quelque chose aussi? Quoi? Ah oui! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste du pain? C'est trop injuste! Oh là là, ton assiette fait de la peine! Oh. En plus, j'ai eu cette tranche de pain noir. Attends un instant. Je sais ce que je vais faire. J'ai juste besoin de ce verre. Je vais découper un cercle de pain parfait. Comme ça. C'est parfait. Maintenant, je vais le mettre entre les tranches de pain blanc. Bon, on peut dire que ça ressemble à un steak de burger. Ce n'est pas la ressemblance qui va te faire gagner le tour. Attends de voir ce que c'est qu'un vrai burger. Je dois juste empiler la laitue, le fromage, le steak et la tomate. Et voilà, le burger parfait. C'est sûr que je vais gagner. Oh, cette cocotte est apparue comment? Oh, j'ai compris. Je vais mettre le burger dedans. Regarde, la magie le fait cuire. Oh, je crois que c'est prêt. Mais non, il est devenu doré. Il y a même des pierres précieuses dessus. Je ne vois pas où est la justice là-dedans. Mmh.
Bon, dernière session de jury. Qu'est-ce que je vois là? C'est juste du pain? J'ai hâte de goûter ce burger en or. C'est comment? C'est super bon. Bon, il faut voter. On vote pour Sarah pour ce tour. Je me répète, c'est pas juste. Ce concours était super amusant. Personne ne refuse une bonne part de gâteau. Ça dépend de ce qu'il y a dessus, pas vrai? Je préfère largement la crème chantilly que ton truc. On voit bien que tu n'as jamais goûté à ça. Non, des Skittles! On dirait bien qu'on fait face à une guerre de garniture. Maman! Vous avez encore gâché le gâteau, tous les deux? C'est la faute de Mélanie! Wouah! Aïe! Mon oreille est attachée à ma tête, tu sais. C'est le moment pour un défi de garniture mystère. C'est censé être amusant, les enfants. Vous êtes prêts? Tout le monde adore la glace à la vanille. Enfin, ça dépend de ce qu'on met dessus. La sauce chocolat est un accompagnement classique. Je pourrais même boire ce truc. Oui, verse-en beaucoup dessus. Je ne sais pas s'il existe un meilleur mélange. Délicieux, pas vrai? Qui ne tente rien à rien. Des chamallows! Regarde toutes ces couleurs vives. J'espère que ça ne te dérange pas. Oups! Allez, encore un tour. Regarde la roue tourner. Des confettis! Il y a plein de sortes différentes. Ces billes ressemblent presque à du sable. Une petite pincée devrait suffire. Waouh! Je crois que c'est parfait. Bon, et tourne! De la sauce piquante? Elle ne va pas faire fondre la glace? Je n'en veux pas! Je n'ai vraiment pas de chance! Ça va avoir un goût bizarre! Ma glace a l'air répugnante! Cool! Je suis bien heureux de ne pas devoir la manger! Est-ce que j'ose retourner la roue? Allez, je me lance! Je t'en prie, sois sympa! Non! Encore plus de piment? Ce défi va me tuer! Quel gâchis, ma bonne glace! Je n'en mets qu'un petit peu, d'accord? Mais malheureusement, un tout petit peu de piment peut suffire à mettre le feu au plat! Burk! Est-ce que ça peut encore empirer? J'ai peur de tourner ce truc! Sérieusement? C'est loin d'être un accompagnement de dessert! Ma mère serait tellement fière! Allez, vous allez dans la glace! Je n'aime même pas les carottes! Est-ce que ce truc pourrait donner encore moins envie? J'espère juste que je vais réussir à l'avaler. Alors que le dessert de Nick est bien plus appétissant. Oups! Je crois qu'une ampoule a grillé par là-bas. Ça a fonctionné à merveille. Savoure bien, Nick. Et juste attends, tu vois? Bien joué, frérot. Et oui, je suis un grand bonhomme musclé. Est-ce qu'on goûte enfin? Bon appétit! Dis donc, il va avoir une belle surprise. C'est bon, pas vrai? Attends une minute. J'ai la bouche en feu! Les confettis ne sont pas censés être sucrés! Je ne remange plus jamais de glace! Mélanie? 1, 2, 3, partez! De bonnes vieilles tranches de pain toutes simples? Enfin, pas pour longtemps. C'est parti! Des chamallows? J'aime les gros! Ils sont si moelleux! Hop, tu vas là! Et pour mon deuxième accompagnement? Je ne peux pas me passer de cette sauce! Elle est bien pleine en plus! Oh oui, c'est ça le bonheur! C'est le grand luxe! Mais tu sais ce qui serait encore mieux? On va chauffer le tout! Qui a besoin d'un four à micro-ondes? Ça devrait avoir le même effet. Merci, monsieur sèche-cheveux. Alors? Tout a fondu et s'est mélangé. Mais il me reste encore un tour de roue. C'est parti! Quoi? Les cornichons ne vont pas du tout avec le reste! Alors que tout allait être si bon. Bon, allons-y, qu'on en finisse.
Ce bocal est vraiment dur à ouvrir. Oh, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ce bocal. Donne-moi ça. Tiens, bien tenté, faible. Maintenant, mets-les dans ton assiette. Je dois en mettre plus qu'un. Celui-ci est tellement gros. C'est horrible. Cette assiette a l'air horrible. À moi de tourner. C'est parti. Oh, donne les pépites de chocolat. Enfin, voilà de quoi je parle. Et en plus, ils sont frais. C'est un peu étrange sur du pain, mais ça ne me dérange pas. Et ensuite, j'espère que ce sera quelque chose de sucré. Des sardines? C'est l'aliment le plus horrible, le plus salé de tous les temps. Je n'arrive pas à croire que je doive les mettre dans mon assiette. Je sens déjà leur odeur. Dégoûtant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu cette garniture-là? J'ai déjà l'estomac à l'envers. C'est le moment d'un autre petit coup de malchance. Oui, ça me paraît bien. Tu te moques de moi? Ma bouche va vraiment être en feu. Ouh, cette sauce est vraiment puissante. Je vais vraiment manger ça? Bon, on ferait mieux de se lancer. Ça ne va pas être beau. Bon appétit! Regardez, ça suffit à me donner la nausée. Ils n'ont pas de grand sourire sur leur visage. Finalement, ce n'est pas si mauvais. Je crois que je vais vomir. Découvrons ce qui va être la base de notre assiette. Un tacos! Ça me plaît! Je vais commencer. Je suis tombée sur le ketchup! J'adore ça! Et même si c'est assez inhabituel dans un tacos, je suis prête à tout essayer. Ça a l'air plutôt bon. Je suis plutôt forte pour remplir les tacos. Il est temps de tourner une nouvelle fois la roue. Des nouilles? Je peux accepter ça. Ça sent plutôt bon. Je crois que j'ai une fourchette qui traîne. Parfait, elles sont encore un peu chaudes. Tu penses qu'elles iront bien avec le ketchup? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, pas vrai? Vous allez là-dedans, mes petites nouilles! Et maintenant, une dernière garniture. Alors? Des piments! Qui n'aime pas en ajouter un peu dans ses tacos? Je pense que je peux très bien m'en sortir avec ça. Peut-être un tout petit peu plus. Olé! C'est à mon tour de garnir mon tacos. Des framboises dans un tacos? En tout cas, elles ont l'air fraîches. Ça ne devrait pas être mauvais avec le tacos. Bienvenue, antioxydant! C'est reparti! De la crème chantilly? Ça va super bien avec les framboises! J'espère qu'elle est bien fraîche! Miam! J'ai hâte de manger ce truc! Et le meilleur pour la fin? Oui! Les Skittles sont vraiment mes bonbons préférés! Je n'ai jamais mangé un tacos aussi sucré! On ne peut jamais en avoir trop! Regarde-moi cette belle assiette! Est-ce qu'on goûte? Oh, on dirait qu'il croustille bien! Et celui de Nick? Il est vraiment croustille délicieux! C'est vraiment le meilleur tour qu'on ait eu jusqu'à présent! J'espère qu'il y en aura d'autres! C'est tellement bon, ça me donne envie de danser! Tiens, tu sais jouer, pas vrai? Je pense que je peux m'en sortir. Voilà ce que j'appelle une danse de tacos! On est archi prêt pour celui-ci! Ce sont des pains au lait moelleux! Ça commence bien! Quel va être mon premier aliment? Des bons bonbons bien sucrés! Ils ont l'air plutôt bons! Je les veux tous! Ça déborde un peu de partout, mais peu importe! Qu'est-ce qui va suivre? De la bonne crème chantilly! On dirait bien que ce plat va être un dessert! Oh oui, c'est ça que j'aime! Je dois en mettre des deux côtés! Tu crois qu'il y en a assez, Nick? Et le dernier aliment? Des confettis! Regarde-moi comme ils sont beaux! Je suis l'homme le plus chanceux du monde! Juste une pincée ici! On dirait qu'il pleut du sucre! Miam miam! J'espère que tout va tenir dans le pain! Bon, je ne peux pas attendre plus longtemps! Mon Dieu, ça c'est du dessert! Un bonbon veut s'échapper! C'est le meilleur sandwich de ma vie! Je n'ai jamais vu quelqu'un manger un sandwich avec tant d'amour avant!
Regarde-moi cette technique. J'écrirai un livre dessus plus tard. Mais avant ça, c'est à moi de tourner la roue. Des cornichons? Du sel, de la saumure, burk. Autant en finir au plus vite. Oh là là, ils sont vraiment horribles. Je n'arrive pas à croire que certaines personnes aiment ça. J'ai peur de voir ce qui va suivre ensuite. Alors? Ne me dis pas ça! Je ne sais pas si je peux le faire. C'est vraiment trop injuste. Tu vas vraiment manger tout ça? Il me reste encore un tour. Et ce sera du ketchup. De toute façon, aucun aliment n'aurait pu améliorer ce sandwich. C'est parti! Ça ne ressemble pas du tout à du ketchup. On dirait de l'eau! C'est tout ce qu'il y a dedans? Allô? Ah! Est-ce que la situation pourrait encore empirer? Je trouve ça plutôt drôle. Ah oui? C'est moins drôle maintenant, tu es d'accord?